Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus à ceux qui sont en présentiel ici avec nous à Bordeaux et puis également un bonjour à ceux qui nous suivent sur Teams. Nous allons passer 2 heures ensemble pour parler mobilité. On va bien évidemment parler des fondamentaux de la mobilité, mais on reviendra également aussi sur la mobilité au temps de la Covid-19. Tout cela en compagnie d'Éric Charéron qui est avec nous ce matin et que je salue. Et pour ouvrir cette matinée, je vais demander à Frédéric Bavret, le directeur exécutif France de Keolis, de me rejoindre. Bonjour Frédéric. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors, kéoscopie, bien sûr, ça n'a a priori aucun rapport avec les cultes. Il se trouve néanmoins effectivement que c'est les mêmes règles qui nous sont applicables et qui font qu'on ne peut être que 30 à l'intérieur de la salle. Par contre, on bénéficie des moyens de retransmission. Donc, on a essayé effectivement de prendre les bonnes idées aussi de la part des différents cultes qui se sont adaptés. Alors, le kéoscopie à Bordeaux, il est inutile effectivement de le présenter parce que c'est une initiative qui est menée quand même depuis plusieurs années et qui a donné lieu déjà à plusieurs présentations. Je rappelle juste que l'idée, c'est chez Keolis de piloter un programme d'études et d'enquête, donc sous la conduite d'Éric Charéron, sur deux sujets qui sont d'abord l'évolution des comportements qui sont liés à la mobilité, et puis l'analyse des comportements individuels, parce qu'on est convaincu que dans le transport public, derrière les flux, derrière la statistique, il faut vraiment regarder les individus. Donc, depuis une quinzaine d'années, Eric, chaque année, en fait, a un programme d'études qui focalise sur des thématiques qui lui semblent adaptées. Au cours des toutes dernières années, il y a eu beaucoup d'études qui ont cherché en fait à tirer parti des moyens numériques, donc à la fois des études à partir des données biétiques, évidemment totalement anonymisées, je le rappelle, et puis également les traces mobiles des téléphones qui permettent effectivement de récupérer beaucoup d'enseignements, là aussi évidemment sur une base anonymisée, mais qui permettent vraiment de tracer les individus. Alors l'année 2020, normalement, aurait dû voir effectivement la restitution de beaucoup d'études autour des traces mobiles. Et on a dû s'adapter, comme tout le monde, puisque cette pandémie, vous le savez tous, c'est d'abord la mobilité qui est là affectée, puisque que ce soit à travers des mesures de restriction des déplacements édictées par les pouvoirs publics, le confinement, les quarantaines, ou que ce soit des comportements de prudence que les gens aient adaptés, on s'est retrouvé en fait avec vraiment une mobilité qui a été très fortement affectée. Et du coup, Eric, avec la réactivité qu'il caractérise, a réorienté en fait assez vite son programme de l'année sur l'impact que la pandémie pourrait avoir sur les comportements, a déjà sur les comportements et pourrait avoir en essayant de faire un peu de prospective. Et donc, en s'appuyant sur des études dans plusieurs pays, en rajoutant quelques études qualitatives pour vraiment en fait interroger les personnes sur la façon dont elles envisagent en fait de modifier leur comportement de mobilité, il a essayé d'être en situation de restituer quelque chose sur la mobilité au temps de la Covid. Et ce sera, je crois, la matinée de ce matin. Comme vous êtes venu pour l'écouter, je ne prolongerai pas et je lui cède tout de suite la parole. Eric, c'est à toi. Merci beaucoup, merci Frédéric. Juste quelques petites précisions. Donc, pour trois grandes parties, effectivement, Frédéric le disait à l'instant, la première partie sur mobilité et mode de vie au temps de la Covid. Et puis ensuite, Eric reviendra sur les fondamentaux avec bâtir une mobilité vertueuse et inclusive. Et enfin, un dernier thème qui sera le défi de la longévité et le développement des fragilités. Pour celles et ceux qui sont en présentiel ici avec nous, vous pourrez poser vos questions ou demander des compléments d'information à Eric en fin de chaque partie. Pour celles et ceux qui nous suivent sur le chat, vous pouvez poser bien évidemment vos questions au fil de l'eau et je me ferai le porte-parole de ces questions. Voilà, et on va tout de suite commencer avec Eric. Donc Eric qui se lève et Merci. peut-être Eric, avant de démarrer cette première partie, nous indiquer quelles sont les sources, les chiffres que vous allez nous présenter ce matin, notamment sur la première partie consacrée à la mobilité au temps de la Covid. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, assez régulièrement, les chiffres qu'on essaye de mettre en scène, ils proviennent de plusieurs ressources. La première, c'est on fait de la veille, hein, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu, notamment au niveau international, comme l'a indiqué Frédéric Bavrez, d'observer un peu des choses qui se passent partout dans le monde.
Deuxièmement, on a une alimentation par des enquêtes qui sont faites, alors des enquêtes quali avec des sociologues pour comprendre, pour aller au-delà de simples chiffres, des enquêtes quantitatives sur des gros échantillons, donc là pour essayer de comprendre la crise de la Covid. On en est à peu près à la troisième enquête sur 4500 personnes à chaque fois, qu'on va refaire en décembre. Et puis de l'observation aussi, on mélange ça avec de l'observation pure, de l'accompagnement de citoyens et de citoyennes, et puis des traces mobiles ou des traces GPS, donc, et des données biétiques. Donc en fait, on utilise tout ça et on essaye de leur donner, assez humblement, hein, parce qu'on peut, ben on essaye de leur donner un sens pour pouvoir nous éclairer dans la période un peu délicate dans laquelle nous sommes. Alors, être éclairé dans cette période délicate, vous le disiez à l'instant, parce qu'on est dans une période qui est une période d'incertitude. Ça, c'est le premier point. Ah, ça c'est clair, on est en période de forte incertitude, on est environné de brouillard, et on est et bien malin celui qui pourrait dire demain, comment ça va être? On ne sait pas déjà comment va terminer la crise sanitaire, la crise économique, et c'est un peu difficile. Je vous montre juste quelques chiffres par rapport à ce qu'on pensait. Alors, c'est un tableau un peu complexe. C'est le seul qui sortira un peu de la mobilité. C'est le nombre de décès par million d'habitants sur certaines régions françaises. Et donc, en jaune, c'est le nombre c'est le nombre de la première vague. Donc, ça veut dire que dans la région, une partie de la région Grand Est qui a été le plus touchée, donc l'Alsace plus les départements Meurthe-et-Moselle, Moselle et le territoire de Belfort, qui n'est pas en Alsace, je sais, mais globalement, il y avait 760 morts par million d'habitants, c'est la région la plus touchée, à la première vague. Et vous voyez qu'à la deuxième vague, ils sont au total à 210 morts supplémentaires depuis mi-juillet. Ce qui est intéressant de voir, c'est là où c'est complètement, où on ne se rend pas compte, c'est que si vous prenez le pôle Lyon-Grenoble-Saint-Étienne ou le pôle Marseille-Avignon qui était 2 à 3 fois moins touché, on voit qu'en revanche, l'impact de la deuxième vague, lui, est très fort, puisqu'on est, au double dans la région lyonnaise. L'impact de la deuxième vague est le double de l'impact de la première vague. Et ce qui est étonnant de voir par rapport à tous les discours aussi qu'on a pu tenir au moment, c'est que des départements très ruraux, comme l'Ardèche et la Drôme, dans le couloir rhodanien, ou la Savoie, qui ne sont pas des départements hyper urbanisés avec une conurbation dense, un petit peu, mais pas trop, sont également très touchés. Hein. Et en revanche, dans le sud-ouest, on va bien dire, hein, dans le sud-ouest et un peu en Bretagne, en Finistère, se trouvent globalement les zones qui sont relativement épargnées, même si en Gironde, qui a été pas montré du doigt, mais on en a parlé relativement tôt avec Aix-Marseille-Provence-Métropole à partir de mi-septembre. Globalement, par rapport aux autres territoires, s'en sortent un peu mieux. Donc ça, c'est important à voir parce que ça peut jouer sur le ressenti de peur des gens ou de l'acceptation des mesures qui sont prises par les pouvoirs publics. Hein. C'est-à-dire que le sentiment, plus il y a de gens qui sont malades autour de soi, qu'on a de chance d'en connaître, des gens en réanimation, et plus les comportements des citoyens et des citoyennes peuvent être légèrement différents. Voilà, on reviendra d'ailleurs sur les craintes dans quelques minutes liées à cette crise. Vous le disiez, période d'incertitude, personne n'a une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer demain. Pour autant, il faut commencer déjà à réfléchir sur ce qui durablement pourrait changer et affecter évidemment notamment les questions de mobilité. Alors, ça veut dire que je vous ai dit qu'à chaque étape, on a fait cette enquête. Stéphane me posait la question, on a fait une enquête sur 4500 personnes. Donc, pour comprendre l'impact du confinement, comment a été vécu le déconfinement, comment a été vécu l'été, puis la rentrée, et puis la perspective de la fin de l'année et au-delà. Donc, je vous dis, 3 fois des enquêtes sur 4500 personnes, dont la dernière a été faite au mois d'octobre, juste avant et après l'allocution du président de la République, et en même temps, des entretiens quali, parce qu'une enquête, s'il n'y a pas derrière du verbatim, des vrais gens qui parlent, donc on a interrogé plus de 100 personnes en juillet et près de 50 personnes dans des entretiens longs en octobre, et il y en aura à nouveau un grand nombre en décembre, ça permet de donner de la chair, en fait, à des chiffres. Voilà. Alors, des chiffres, justement, on va en voir quelques-uns maintenant sur l'évolution de la mobilité sur le territoire de la métropole. Mais vous le dites, c'est assez comparable, finalement, sur l'ensemble du territoire. Ben oui, alors ça, c'est la mobilisation des données GPS, hein, c'est-à-dire que à partir en Kizio, avec qui on travaille, il y a 6 millions de porteurs de téléphones.
par lesquels on peut suivre les traces GPS. Donc, c'est très précis au niveau de la localisation. Et ça permet un petit peu, là, vous avez la période sur la métropole de Bordeaux, donc la période avant confinement, hein, à peu près la moyenne des déplacements. Donc là, vous avez les vacances scolaires de février. Ensuite, en mars, en gros, on est tombé à 25%. Ça ne figure pas ici. Mais en gros, avril, on est à peu près à 25% de la mobilité qu'il y avait avant, en février. Et puis, on est remonté à peu près à 50% au 11 mai. Ce qui est assez frappant de constater, c'est que la mobilité tout mode, puisque là, on n'est pas en transport public, hein, c'est des traces que laissent vos mobiles. Donc, on est bien qu'on se déplace à pied, en vélo, en transport public, en train, etc. Ce qu'on voit, c'est que la mobilité au sein de la métropole a réatteint 50%, mais dès le 11 mai. Il n'y a pas eu, comme sur les transports publics, une montée en puissance progressive. C'est-à-dire que dans les transports publics, il a fallu progressivement se réassurer, reprendre des habitudes, et donc on a eu une remontée en puissance progressive. La mobilité globale, elle, donc deux roues, marche à pied, voiture, transport public, elle est tout de suite remontée à 50% de son niveau de février, mais elle est restée stable. Elle est restée globalement stable jusqu'à peu près à mi-juin. Donc c'est assez étonnant parce que nous, on pensait que la mobilité globale allait remonter 50, 60, 70%. Elle est restée relativement faible malgré le déconfinement progressif. Et après, quand on a repris l'observation à partir du 21 septembre, on voit que le fin septembre est un peu plus faible que ce qu'on observe février, ce qui n'est pas tout à fait habituel, puisqu'en général, le septembre, surtout fin septembre, est un peu plus fort. Donc, un mouvement de rétractation de la mobilité globale. Et puis, on voit progressivement, à partir du 19 octobre, c'est la première semaine de vacances de la Toussaint, elle est plus faible que les semaines de février, alors qu'il y a beaucoup moins de gens qui partent à la Toussaint qu'en février. Et puis, bien évidemment, là, c'était la dernière semaine avant le début du deuxième confinement. Donc, ça, c'est des éléments qui permettent un peu de voir la pulsation, le rythme. Et demain, on pourra vous donner des éléments beaucoup plus précis pour comprendre comment chaque équipement fonctionne. Parce que 50%, c'est une moyenne. Et j'arrête pas de le dire, on sait bien que derrière la moyenne, il y a plein de choses différentes. Donc, si vous regardez, l'agglomération, la décomposée ici dans le centre-ville en plein de zones différentes, ça donne quoi? Le marché des Capucins? Ça donne quoi le secteur de la place de la Victoire? Ça donne quoi le centre Mériadec? Ça donne quoi tout le secteur Mériadec hors centre commercial? Ça donne quoi le centre-ville nord, le centre-ville sud, les Chartrons, etc. Et sur Mérignac, comment réagissent les équipements sportifs ici par rapport à la grande zone d'activité, on va dire, industrielle, l'aéroport, les grandes et moyennes surfaces autour de Mérignac et l'hypermarché de Mérignac-Soleil? Donc c'est de prendre des équipements un petit peu, de les comparer d'une métropole à l'autre. Comment réagit un multiplex de centre-ville? Alors le CGR Bastide ou l'UGCiné cité Gambetta, enfin du centre-ville, vis-à-vis d'un multiplex qui est à Rive-d'Arsin. Hein, et de voir ça, si on peut le comparer à ce qui se passe à Rennes, à Lyon, où il y a des multiplex du centre-ville et de périphérie. Donc c'est d'arriver à trouver des familles de comportements par type de quartier, un quartier populaire versus populaire, on va dire la Bénoge, Grand Parc, etc., versus un quartier plus résidentiel. Voilà. Et comment tout ça se... Donc, on espère pouvoir communiquer ces chiffres-là assez prochainement. Alors, on va poursuivre sur l'enquête. Cali, je voudrais juste passer un message à celles et ceux qui nous regardent par Teams, parce que pour le moment, j'ai aucune réaction. Je voudrais juste, si quelqu'un pouvait envoyer un message pour être sûr que le fil fonctionne bien et que si des questions viennent au fil de l'eau, je puisse les transmettre à Eric. On poursuit sur cette... En tout cas, il y a un sacré décalage. Il y a un petit peu de décalage, effectivement, entre le direct et la diffusion. Deuxième partie de cette partie consacrée à la mobilité en temps de Covid. C'est pas une enquête sur le moral des Français, mais plutôt sur le ressenti. On est sur du Cali, là encore. Cali, alors un mélange, on va avoir un mélange de quantité de Cali, mais là c'est plutôt du Cali. C'est clair, le moral est dans les chaussettes. C'est-à-dire que pour l'enquête, donc là c'est le résumé de l'enquête Cali et Canty en octobre, juste avant l'annonce et après l'annonce du confinement, le moral est dans les chaussettes, l'ambiance elle est plombée, tout est foutu. Alors c'est curieux parce que quand on était en mai, en juin, dans l'enquête de juin, le premier confinement, donc Cali et Canty, là aussi, pareil, les deux, étaient plutôt
majoritairement bien vécu que très mal vécu. C'est-à-dire que globalement, après coup, ben, ma foi, c'était presque pour certaines personnes. Certaines personnes l'ont très très mal vécu. Et vous avez vu que ceux qui l'ont très bien vécu, c'est une note qui va de 0 à 10, sont plus nombreuses. Et donc globalement, c'était pour certains une expérimentation, une pause, un moment suspendu, une parenthèse enchantée. On peut se mettre à faire d'autres choses. On fait le vide dans la maison, dans sa vie, on repense. Alors même s'il y avait des gens qui avaient la peur d'enfermement. Et puis chacun d'entre nous, on n'est pas soit d'un côté, soit de l'autre. C'était un moment de tension, éventuellement entre les deux. Mais on était plutôt majoritairement là ou plutôt majoritairement là. Et d'ailleurs, ce que nous ont dit les sociologues, et c'est très intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on essaye toujours de dire dans Qu'est-ce-que-pie, il ne faut pas réduire les gens à ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essentialiser. C'est-à-dire que globalement, on a beaucoup dit, les gens qui sont malheureux dans les petits appartements, etc. Ils nous ont dit, les sociologues nous ont dit, non, si je crève de solitude, que je sois dans un pavillon individuel à Saint-Aubin-de-Médoc et que j'ai 70 ans et que je ne peux pas bouger de chez moi parce que je n'ai pas le droit, ou que je crève de solitude, donc dans un bel appart, dans une belle maison, ou que je crève de solitude, on va dire dans un appartement plus modeste du centre-ville, de toute façon, je crève de solitude. Et si en revanche, je suis un papa ou une maman poule, et que j'ai mon fils qui est parti faire des études à 24 ans dans une autre ville, à Clermont-Ferrand pour les impôts, et qui revient dans la ville de Bordeaux vivre chez moi pendant 2 mois, et que ça fait plaisir à mes autres enfants de revoir leur grand frère qui était parti, ben, l'expérience, elle est positive. En fait, ça dépend beaucoup de nos caractéristiques individuelles au sein de nous, plus que des conditions matérielles qui vont venir accentuer, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est déterminant. Pas nécessairement. Ça l'est, bien sûr, mais pas forcément. Et donc là, en revanche, c'est plus du tout vu comme ça. Donc en octobre, en gros, on nous dit, bon, avant, c'était génial. Avant le premier confinement, très bien. Ouais, alors là, ça commence à se dégrader. L'été, on y a cru, globalement, hein. L'été, on y a cru, c'était à nouveau le retour à la normale, voilà. Et puis progressivement, vous avez les nuages qui se sont amoncelés sur nos têtes. Alors les nuages un peu dispersés, puis gris clair, puis de plus en plus foncé. Et puis ça a été l'orage, alors ça a été les masques, dans les écoles, etc. Et globalement, il y a une acceptation pour la moitié des gens qui ne voient pas la fin de la crise. C'est-à-dire qu'en fait, et ça plombe, le moral, c'est-à-dire la moitié des gens pensent qu'on ne s'en sortira pas avant 2021, voire jamais. C'est beaucoup, hein. Et ça, c'était, je vous dis, au mois d'octobre. Alors après, Stéphane me parlait des craintes tout à l'heure, hein, des inquiétudes. Globalement, tout le monde a peur. On est d'accord ? Enfin, on est d'accord. C'est-à-dire que pratiquement personne dit qu'il n'a pas peur. Par contre, on mesure le degré de peur. Est-ce que c'est un peu peur, enfin beaucoup de crainte? Donc là, c'est le pourcentage de ceux qui ont beaucoup de crainte. Et ce qui est frappant de constater, c'est que ceux qui ont beaucoup de crainte, vous avez 3 craintes qui sont à peu près identiques. C'est les craintes sanitaires. Alors, elles sont plus fortes, les craintes. J'ai plus peur de communiquer les autres, de communiquer le virus à d'autres que pour moi-même, d'ailleurs. Mais voilà, c'est la crainte de la rupture du lien social, c'est-à-dire la dégradation du lien social qui fait sens. Donc là aussi, c'est pareil. Globalement, tout le monde a peur, mais ceux qui ont très peur de cette dégradation du lien social, c'est fort, c'est aussi fort que la crainte sanitaire. La dégradation sur la réduction des libertés publiques, hein, au même niveau. Et puis ensuite, encore plus fort, notamment pour les autres, c'est les craintes économiques. Surtout pour les autres, beaucoup plus que pour moi. Là, il y a un écart énorme entre ce qu'on pense pour la société et ce qu'on pense pour soi. Donc voilà, ça veut dire qu'on traverse bien une crise qui est un peu civilisationnelle, sociale, économique et sanitaire. Et ce n'est pas uniquement une crise sanitaire. Alors, je confirme qu'on a un petit souci pour le chat. On est en train de le gérer. Donc, pardon, continuez à poser vos questions. Et dès qu'elles s'afficheront, évidemment, je les poserai à Eric. Autre impact, évidemment, de la Covid-19, c'est sur les répercussions sur l'image des modes et des déplacements. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas totalement indemne, on va dire, et notamment quand on s'occupe de mobilité partagée. Et on va dire que c'est un peu comme si on avait reçu un seau d'eau froide avec les glaçons sur la tête, quand on a vu les résultats de l'enquête des études par les sociologues en octobre. Dire qu'en gros, le transport public est un moment de cristallisation des craintes,
Et une fois qu'on a dit ça, on ne comprenait pas nécessairement pourquoi. Pourquoi? Pourquoi les gens entendent? Alors d'abord, c'est la promiscuité. Mais ce qui est phare, c'est la promiscuité avec des inconnus, avec des personnes que je ne connais pas. C'est-à-dire que la promiscuité avec, dans un bar, dans un restaurant, quand ils étaient ouverts, ça fait beaucoup moins peur parce que je suis avec des gens que je connais. Deuxièmement, c'est l'espace clos. Donc typiquement, le métro qui est clos dans un univers clos, lui, hein, fait beaucoup plus peur que le tramway. C'est-à-dire qu'il fait encore plus peur parce qu'il rajoute cette sensation d'être enfermé en plus de côtoyer des gens que l'on ne connaît pas. C'est un lieu de tension. Alors, comme tous les lieux, il y a beaucoup de monde, mais on est à côté de quelqu'un. Et ce quelqu'un, ben, il est à côté de moi, il enlève son masque pour téléphoner, il le porte mal, etc. C'est un peu difficile. Il y a moins de monde dans la rue. Et ça crée un déséquilibre, le soir notamment, quand il fait nuit, entre les gens qui sont en situation normale et puis les gens qui occupent certains lieux publics ou des arrêts ou des stations qui ne devraient pas nécessairement y être. Quand même, il y a tout. Globalement, hein, ce n'est pas sur Bordeaux, ça, c'est au niveau national. Un peu une sensation de manque d'hygiène, c'est-à-dire que, typiquement, l'installation du gel hydraulique dans le tramway contribue profondément à faire modifier cette impression-là, hein, par exemple. Et puis, alors ça, on n'y est pour rien, hein, aussi, c'est la perception d'une incohérence dans les mesures. Pourquoi Frédéric Bavret parlait des cultes? Pourquoi 30 dans une cathédrale ou dans une mosquée, ou dans une synagogue, et pourquoi 40 dans un bus, espace clos et fermé. Pourquoi dans un musée, il faut réserver son créneau à l'avance, il faut avoir un mètre de distance. C'est ce que disent les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais on ne comprend pas. Et puis, avant, en juin, il y avait un siège sur deux, il y avait... et puis, en juin, il n'y avait pas les lycéens, les collégiens, les étudiants, hein, quand les gens ont repris le chemin des transports publics. Et là, tout d'un coup, en septembre, c'est revenu. Donc, ça crée un peu une sensation d'incohérence, de tension, de mise un peu en danger par rapport à la crainte de prendre le Covid. Voilà. On va regarder ça maintenant en termes de chiffres et de pourcentage justement de perception. Et là, ça montre bien évidemment que le transport en commun, enfin les transports en commun et particulièrement le métro font partie des craintes. Et les craintes, en partie, c'est injuste, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que alors, la couleur rouge, c'est quoi? On a demandé aux gens de noter leur degré de crainte sur une échelle qui va de 1 à 10. Donc ceux qui ont mis 9 ou 10, la crainte extrême, c'est ceux qui sont en rouge. Ceux qui ont mis 7 ou 8 sur une échelle de 10, c'est beaucoup de crainte. Vous voyez, on a fait cette distinction-là. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessus? C'est que le métro, ce que je vous disais, est très nettement au-dessus des bus et les trams. Les bus et les trams ont été testés séparément, d'accord? Mais c'est le même chiffre. C'est-à-dire qu'en fait, le tram, même s'il est beaucoup plus capacitaire et qu'il y a plus de monde, ne fait pas plus peur que le bus. Donc, vous voyez, on est au même niveau que les rues piétonnes, etc., à peu près le bus et le tram. C'est-à-dire des lieux où on croise beaucoup de gens, des inconnus, mais ça, c'est des lieux couverts. C'est des lieux ouverts, pardon. Ensuite, le car s'en sort un peu mieux, globalement, que le bus. Parce que le car, ben voilà, il n'y a pas de gens debout, on est tous assis, etc. Mais vous voyez l'injustice. C'est-à-dire, quelque part, c'est que le car est au même niveau que les mariages, les anniversaires et les fêtes de famille. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de masque, ou très peu de masque, là où on s'embrasse, là où éventuellement on danse, etc., ensemble, et où éventuellement l'alcool est dans, éventuellement, hein, il y a un peu moins de respect de gestes barrières, etc., et on voit que le car où les gens sont assis, ont peu d'interactions sociales, etc., se trouve pénalisé au même niveau que les fêtes et les anniversaires. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'image là-dedans, et c'est le fait d'être avec des gens connus. C'est comme moi, si j'étais, ben j'ai pas peur, on n'a pas besoin de se mettre de masque, on se connaît là entre nous. Et regardez, voilà. Ça, c'est le taux de confiance qu'on accorde par rapport aux gestes barrières. Je fais confiance à ma famille à 90%. Je fais confiance à mes amis à 83%. Je fais confiance à mes commerçants, très bons hein, les commerçants, 80%. Mes collègues et mes voisins, 70%. C'est strictement l'inverse pour les gens qu'on ne connaît pas. Donc mes amis, ma famille, mes collègues, mes voisins à qui je fais confiance, vous ne leur faites pas confiance. Et donc bien évidemment, dans les lieux où on croise des gens qu'on ne connaît pas, dont les visages ne disent rien, ben on sent l'insécurité. En revanche, dans un anniversaire, les gens nous disent, ben oui, mais on connaît la personne qui l'a organisé, donc c'est différent.
Vous voyez, c'est là où, et nous, on est victime de ça, enfin, comme d'autres espaces publics, hein, mais nous sommes victimes de cette crise de confiance qu'ont la majorité des Français par rapport aux personnes non connues. Voilà, donc ça, c'est un panorama des contextes, à la fois des contextes de lieu et des contextes des personnes avec qui l'on est, en termes de confiance, en termes d'image. On revient maintenant plus spécifiquement au transport, et on se rend compte que les gens sont quand même revenus dans les transports en commun. Heureusement. Oui. Et heureusement, et on était sur une pente avant le premier confinement où progressivement, ça c'est le nombre dans les métropoles, le nombre d'habitants des métropoles qui utilisent le transport public sur un mois, à peu près 66%. Là-dedans, il y a des exceptionnels, il y a des très exceptionnels, il y a des occasionnels, il y a des fréquents, des abonnés. Et on voit que progressivement, en mai, ils étaient 37%, donc 37 sur 66, hein, donc comme, puis 42% en juin, puis 50% en septembre. Donc, un sur deux de métropolitains avait repris le chemin des transports publics. Au lieu de 66%, c'est-à-dire qu'on était à peu près aux trois quarts. Les trois quarts étaient revenus. Et à Bordeaux, enfin à Keolis Bordeaux Métropole, sur le réseau TBM, en tout cas, on est à peu près à 70% du trafic. Voilà. Alors, la mobilité, elle va être repensée. Là, c'est dans le Cali qu'on le voit. Elle va être repensée parce que beaucoup de gens prennent des habitudes, ont trouvé eux-mêmes des solutions. Alors d'abord, pour éviter les lieux et les expériences stressantes ou pas agréables. Alors bien sûr, c'est-à-dire que globalement, dans la veille que l'on fait, on se rend compte que globalement, la fréquence à laquelle je vais dans les hypermarchés est passée d'une fois par semaine plutôt à une fois toutes les deux semaines. Donc je réduis. Et pour les transports publics, c'est éviter les lieux d'échange. Quand on peut, quand on comprend, quand on est à l'aise avec la compréhension de la ville et du réseau, on va s'arranger pour changer à un autre endroit. Donc typiquement, il y a des gens qui disent, ben, par exemple, plutôt que de descendre de Porte de Bourgogne, ben, je vais descendre de l'arrêt d'avant parce que je ne serai pas bousculé. Hein, c'est-à-dire que c'est des stratégies que les gens mettent en place un peu de cette manière-là, se dire, ben, je vais le faire. Et après, s'ils se rendent compte, c'est qu'il y a du plaisir. C'est-à-dire que typiquement, quand on voit les affiches qui sont mises à Porte de Bourgogne, pour dire, ben voilà, je peux, la marche fait partie de mon trajet. C'est-à-dire que dire, voilà, je descends de la ligne C parce que je viens des Aubiers, j'arrive à Porte de Bourgogne et je vais à Stalingrad. Mais je peux y aller à pied, c'est grave de traverser le pont de Pierre. Il faut juste inciter les gens à le faire. Et encore, c'est facile à comprendre parce que c'est visuellement, ça se voit. Mais il y a plein d'autres endroits où on ne s'en rend pas compte. Et donc ça, c'est des stratégies où on peut aider les gens à le faire. Et après, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils y trouvent du plaisir et que ça peut durer. C'est-à-dire que globalement, l'alliance marche, l'alliance transport public peut durer. Ensuite, des déplacements qui vont être... Il va y avoir des arbitrages en se disant, ben voilà, on va essayer de se recentrer. Est-ce que ça a un sens au final des déplacements que je fais à tous les coups? Est-ce qu'ils ont un sens? Est-ce que je ne pourrais pas les concentrer, les faire différemment et me concentrer sur mes déplacements choisis? Vous savez, la mobilité, elle n'a jamais bougé depuis... Moi, je suis un vieux dinosaure hein, dans le domaine de la mobilité. À chaque fois, on me disait, mais la mobilité, elle va basculer parce que... Alors, à l'époque, quand j'ai commencé, je suis un dinosaure, c'était le Minitel. Hein. Il y a le Minitel, les gens vont faire leur démarche et tout. Puis après, il y avait déjà le télétravail à l'époque. Le télétravail, ça a changé. Et au final, la mobilité, elle est restée en nombre de déplacements toujours la même. Parce que tout simplement, il y a un arbitrage entre du temps libre... Hein, se libérer du temps pour faire des déplacements qui sont plus choisis que des déplacements contraints. Et puis, des mobilités dans un périmètre plus réduit, c'est quand même une grosse tendance, la redécouverte de la proximité. Voilà, donc, repenser sa mobilité, c'est une des conséquences donc, de la COVID-19. Oui. Des conséquences, on en a aussi évidemment sur l'évolution des modes de vie. Vous évoquiez à l'instant le télétravail, et donc que ce soit sur le travail, le télétravail, les activités de loisirs, tout ça, il y a des évolutions qui semblent s'amorcer, voire se renforcer. Alors, on va dire qu'on n'a rien découvert qui soit une nouvelle pratique. Ce ne sont que des amplifications de tendances qui préexistaient auparavant, avant la crise. Ce qu'on essaie de voir en faisant ces baromètres fréquents, c'est de savoir quelle va être l'intensité de ces modifications et quelle est leur durabilité. C'est-à-dire, est-ce que ça va durer ou non ? Hein, c'est-à-dire que et ça, c'est dur. Donc là, je vous livre des choses sans vous dire ça va se passer comme ça. On essaye juste de comprendre ce qui va se passer. Alors, le télétravail, beaucoup de gens en parlent. Il faut savoir que 38% des salariés dans nos interviewés, donc en gros,
On a 4500 personnes, donc il y a à peu près 2500 personnes qui travaillent dans l'échantillon. Donc ce sont des gros échantillons que l'on a. C'est un peu surestimé parce que les gens qui, quand on répond à une enquête online, donc sur tablette ou PC, on a un peu plus de gens qui peuvent télétravailler que si vous faites une enquête postale. Donc on aura le résultat bientôt, mais on l'avait fait l'année dernière. Les gens qui peuvent télétravailler, en fait, sont plus faibles que 38%. Mais ce qui est important, c'est de regarder la variation dans ce sens-là. Dites-vous simplement que ça, c'est le point de départ est un peu surévalué. Mais les tendances, elles, sont intéressantes. Ça, globalement, c'est ceux qui considéraient « je peux télétravailler, dans mon métier se prête au télétravail, même occasionnellement ». 25%, c'est ceux qui le faisaient avant, au moins une fois par mois. C'est-à-dire que je télétravaillais au moins un jour par mois. Ça a doublé au moment du confinement. Donc, au moment du confinement, celui qui vous livrait des colis Amazon, celui qui vous apportait des repas, celui qui s'occupait de vos parents ou grands-parents, etc., qui était, voilà, ces gens-là, ils ne peuvent pas télétravailler. Ceux qui fabriquent dans les usines, les gens qui travaillent dans les entrepôts, ils ne pouvaient pas télétravailler. 50% des gens ont pu télétravailler pendant le confinement. Ça, c'est ceux qui télétravaillaient en juillet. Ça, c'est ceux qui télétravaillaient en octobre. Donc, on voit que progressivement, à part dans quelques sièges, etc., le retour à la normale, à la situation antérieure, commence à se faire. Mais ça fait générer un désir. C'est-à-dire que globalement, le 37%, c'est ceux qui aimeraient télétravailler demain. Alors, pas tous les jours. Sur les 25%, il y en a 10 qui travaillent tous les jours. Il reste 10 ici. Ce qui explose, passez-moi l'expression, là, ils étaient 10. Et là, ils sont 20, c'est ceux qui veulent télétravailler un ou deux jours par semaine. Donc là, alors ce n'est pas une révolution de la mobilité, c'est une évolution. Hein, parce que d'abord, tous les gens ne peuvent pas télétravailler, et tout le monde, parmi ceux qui peuvent le faire, ne le souhaite pas non plus. Et après, c'est une ou deux jours par semaine. Par contre, ça peut avoir des impacts importants, malgré tout, sur l'organisation de la vie. Et ce sera d'autres types de déplacements. Les enquêtes qui sont faites par le Forum Vie Mobile, d'un think tank qui est piloté par SNCF auquel j'appartiens, montre bien que les gens qui télétravaillent ont la même mobilité, voire un peu plus, les jours où ils ne travaillent pas que les jours où ils travaillent. Mais c'est un autre type de déplacement, plus de proximité, peut-être en soirée, etc. Mais c'est d'autres types de déplacements. Alors, Eric, je vous interromps deux petites secondes. Oui, on va faire une parenthèse. Donc, on a un petit souci technique pour le chat. On ne peut pas communiquer pour le moment via le chat. Et si on voulait faire, il faudrait se déconnecter. Enfin, c'est quelque chose de compliqué. Donc, on va être très agile. En fait, pour que vous puissiez poser des questions, puisque vous êtes une centaine à être en lien avec nous, eh bien, je vais vous communiquer mon numéro de téléphone portable sur lequel vous allez pouvoir m'envoyer les SMS avec les questions. On est dans l'agilité la plus totale. Merci évidemment à la fin de la réunion Kioscopie de supprimer ce numéro de téléphone. Ça vous a laissé le temps donc de prendre un papier et un stylo, et le numéro sur lequel vous pouvez poser vos questions à Eric Charéron, c'est le 0. Numéro non surtaxé, bien évidemment. Ceci Eric. Dit, c'est un garçon très sympathique, hein, donc le numéro de télé. Merci Eric. On va continuer donc aux évolutions sur les évolutions de tendances liées à la Covid et qui pourraient, des tendances évidemment, non seulement émerger, mais peut-être s'inscrire dans la durée. Donc voilà, ça c'est 5 tendances que disent les sociologues qui ont analysé les gens, hein, qu'on a vu. Vous en avez entendu parler, mais globalement c'est le recentrement sur la cellule familiale. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont redécouvert des liens, alors pas partout, hein, mais globalement c'est un élément qui est assez fort. La valeur du temps accordé pour soi, alors notamment suite au premier confinement et avant le deuxième, ce sera peut-être un peu différent suite au deuxième, on le verra en décembre, mais globalement un retour aux valeurs essentielles, c'est-à-dire qu'un sens de la vie pour certaines personnes de se dire mais en fait comment je vis, à quoi ça sert, ça plus transgénérationnel et quel que soit le lieu de vie. C'est très fort le retour à la proximité. Qu'on habite, je veux dire, en Île-de-France ou qu'on habite dans un village ou dans un bourg, dans une petite ville, globalement, le retour local, au sentier de randonnée à côté de chez soi, au marché, au magasin, etc., une espèce de plaisir de redécouvrir un certain nombre de choses où on se rend compte d'en aller loin. Alors, ce n'est pas tout le monde, hein. C'est des tendances, hein. Après, il faut mesurer, ça, c'est ce que disent les qualiticiens, les sociologues. Et puis, bien sûr, le besoin d'extérieur et d'activité physique, et c'est là où la marche ou le vélo, alors la marche, 2 à 3 fois plus que le vélo, hein, mais on l'oublie. La marche, elle fait tellement partie du paysage qu'on oublie que celle qui se développe le plus et qui est très importante, mais le vélo aussi,
ce besoin d'activité physique et de besoin d'extérieur qui ressort très fortement. Alors, la période du confinement a été un temps où on a pu peut-être parfois réinventer les façons de faire les choses. Là aussi, évolution, voire révolution pour certains. Oui, parce qu'on peut avoir tendance à se dire, mais voilà, les gens disent qu'ils vont changer, et puis est-ce que ça continue ou est-ce que ça s'éteint comme un feu de paille? Enfin, je dirais, est-ce que globalement, en mai, les gens disaient, ouais, c'est génial, je vais me mettre à faire ci, un peu comme à la fin d'une soirée bien arrosée du 31 janvier. Hein, on se dit, ben voilà, cette année, je fais un régime, je me mets à faire du sport, je me mets à faire ci. Et puis, globalement, le 3 janvier, on a déjà oublié, on a pris l'abonnement éventuellement de la salle de sport, mais on n'y va pas. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui visiblement changent? Donc là, la question a été posée en octobre sur un certain nombre d'activités. Donc, il y en a bien plus que ça. Là, on va regarder juste deux ou trois. Et qu'est-ce que veulent dire ces trois chiffres qui figurent là? C'est la pratique, par exemple, du sport à domicile. Donc là, typiquement, on est bien sur un évitement du déplacement. Là, c'est 24 plus 1 plus 3, 47% des gens, au mois d'octobre, font du sport à domicile de manière régulière. Ils n'étaient que 24% à le faire avant le confinement, le premier. Ils ont été 20% à découvrir ça, avoir acheté du matériel au mois, au confinement du printemps, et à continuer à le faire en septembre, et 3% s'y sont mis depuis. Donc vous voyez, là, typiquement, on est passé de 24 à 47% en quelques mois sur une pratique d'une activité. À l'opposé, qui demande moins de fatigue physique, la visite virtuelle du musée. Alors, n'oubliez pas, on est quand même sur un échantillon de 4200 personnes. 6%, c'est ceux, en septembre, qui y vont et qui avaient l'habitude d'y aller avant. 9%, c'est ceux qui ont découvert ça pendant le confinement. Les musées ont fait beaucoup de communication là-dessus, hein, des grands musées nationaux, etc. Et 3% qui ont entendu parler après, qui s'y sont mis depuis. Donc en fait, là, on est sur une activité qui a triplé. On est passé de 6 à 18%. Les jeux en société ont beaucoup augmenté, la redécouverte de jeux en société, etc. Et continue. Donc c'est ça qu'on essaye de mesurer. Qu'est-ce qui est éventuellement dur? Quelle est l'intensité? Et est-ce qu'il y a des chances que ça dure à la limite à partir de l'été prochain, etc. D'accord. Alors, vous aviez exprimé aussi, Eric, en préparation, de faire que 40 minutes sur cette partie-là. Il vous reste donc plus que 7 minutes. 7 minutes? Quand on fait les promesses, il faut les tenir. D'accord. Ouais, on a commencé à l'écart, c'est ça? Ouais, oui. Donc là, c'est les volontés de changement profond. Donc là aussi, une expression de changement profond dans les rythmes de vie, le code de vie, le rapport à la lecture, l'équilibre travail, etc. On verra, là on prend note, on est incapable de dire si ça va continuer ou pas. Mais ça montre un peu le degré d'aspiration. Il y a plus de chances que les choses bougent quand les gens vous disent « voilà, moi j'ai envie de changer profondément mon rapport à la nature, mon cadre de vie », que s'ils vous disent qu'ils s'en fichent. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont bouger, mais il y a des chances. Et donc, notamment, il y a toute la pratique du déménagement. Il faut quand même savoir qu'avant le confinement, il y avait 45% des Franciliens qui envisageaient, alors c'est pas faire, qui aimeraient changer de région, mais il y avait le problème, excusez-moi, il y avait le problème du lien avec le travail qui empêchait de bouger, d'accord, l'un ou l'autre, si on est en couple, etc. Et en fait, on voit qu'il y a des choses qui bougent, alors dans lequel les agences immobilières ou les magazines font un peu font des sujets. Vous voyez qu'il y a même une agence maintenant qui s'est créée qui s'appelle Paris je t'aime, Paris je te quitte, hein, et qui met en exergue, par exemple là ici, Camille, qui est une ex-parisienne à Bordeaux, parce que Bordeaux est une ville qui bouge beaucoup, voilà, et qui en fait se met, qui fait le travail pour les Parisiens, qui veulent trouver un logement dans des villes qui sont agréables. Et donc, il y a effectivement une appétence qui va sans doute se développer de vouloir partir. Parce que quand on regarde, en fait, là, on est dans les intentions de déménager. On n'est pas « est-ce que vous aimeriez ?» Est-ce que vous envisagez de déménager? Quand on est en Ile-de-France, c'est 28% qui disent « à un an », 14% à 5 ans. Et vous voyez que le désir est plus fort en Ile-de-France que dans les métropoles et grandes villes, et plus fort que dans les villes de taille moyenne, ou petites, ainsi que dans le périurbain. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'ils veulent tous partir vivre dans le, j'allais dire, dans le Gévaudan, hein, ou dans au cœur de la forêt des Landes, non. Ça peut être changer dans la même agglomération pour avoir un espace plus grand, pour avoir un jardin, etc. Mais en tout cas, c'est un désir relativement fort et puis qui peut donc
rabattre un peu les cartes. Et donc là, il y a un vrai défi pour tous les territoires, à la fois pour accueillir. Qu'est-ce qui va faire que des gens de l'Île-de-France ou d'autres villes vont vouloir choisir Bordeaux pour venir y vivre ? Alors Bordeaux, enfin la métropole de Bordeaux a plein de qualités. C'est une métropole qui attire depuis 30 ans, qui a un solde migratoire positif. Donc elle est plutôt bien positionnée parce qu'elle est agréable, elle est bien située, etc. Et comment on retient des gens qui vont avoir envie de partir ? Sachant qu'il y a quatre types de personnes qui peuvent partir, quelle que soit la taille de métropole. C'est la raison économique. Quand on va dans une ville moyenne, c'est moins cher pour se loger que dans une grande ville. Donc là, il y a un vrai défi, parce qu'avec la crise économique qui se profile, il y a des gens, et on a été étonnés, nous, quand on a fait une étude il y a 2 ans dans les villes moyennes, on a interrogé des gens à Tarbes, à Alès, à Nevers, à Châlons, à Cherbourg. Les sociologues sont venus en disant on a été étonnés de voir le nombre de gens qui venaient de la grande ville d'à côté parce qu'ils étaient au chômage ou parce que ils avaient un divorce avec un enfant à charge et que c'est plus facile de trouver à vivre dans une ville de cette taille-là un logement correct plutôt que dans une grande ville. Les deuxièmes problématiques liées au Covid, c'est le développement du télétravail. Si je suis solo et que je télétravaille ou si on est en couple et qu'on télétravaille 2 jours par semaine et que ça devient naturel pour l'entreprise et non plus une pratique un peu cachée où on dit ouais, le télétravailleur, c'est parce qu'il a envie d'être chez lui pour rien faire, hein, parce qu'il y a quand même un peu ce truc-là qui perdure encore dans un certain nombre d'organisations. Mais bien évidemment, il y a des gens qui peuvent privilégier, non pas pour des raisons économiques, mais pour de qualité de cadre de vie, de dire voilà, ben, je change dans une ville de taille plus moyenne ou un autre appartement plus spacieux, parce que ce sera moins cher. Il y a des gens en quête de sens. Là, pareil, tout ça, c'est en lien avec le Covid, hein, la quête de sens. D'ailleurs, les sociologues le disent bien. Le premier confinement, jardinage, on fait le jardin à Versailles pour ceux qui ont un jardin, on range, on... voilà. Et le deuxième confinement, les week-ends et le soir, puisque c'est surtout classe à jouer, ça renforce encore la quête de sens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc là, la quête de sens, c'est un certain nombre de jeunes qui n'ont pas envie de s'engager dans les entreprises, c'est un certain nombre de cadres à haute quinca qui disent « mais pourquoi je perds mon temps dans une entreprise ? Comment je pourrais lancer mon activité ?» Il y a un nombre de créations d'entreprises extraordinaires. Alors là, ça se casse un peu la figure, mais ça peut-être repartir avec plus d'intensité parce que c'est un moyen de donner un sens à sa vie. Et c'est plus facile de créer une activité, je suis désolé, mais dans une ancienne caserne qui se trouve dans une ville moyenne et qui est maintenant bien connectée avec la fibre, avec l'autoroute, éventuellement avec le TGV, que dans une grande ville. Donc cette problématique-là, elle est quand même à entendre. Ou si on est parisien, c'est plus facile de venir créer son entreprise à Bordeaux qu'à Paris, c'est sûr. Et puis le quatrième point, c'est les retraités qui vont chercher à concilier nature, etc., et qui trouvent, quand on avance en âge, on le verra à la fin, qu'éventuellement, les grandes villes ne sont pas très hospitalières pour les gens qui sont en fragilité. Et là, il y a un vrai défi qu'il faudra voir avec dans la dernière partie, qui est comment on fait en sorte que les villes elles soient inclusives, y compris pour les gens qui sont fragiles, qui avancent en âge, pour qu'effectivement, ils ne soient pas tentés d'aller vivre dans des villes de taille plus réduite, alors que c'est pas ce qu'ils souhaiteraient, mais c'est plutôt parce que la ville qu'ils aiment, la ville dans laquelle ils ont vécu, elle devient à leurs yeux un peu inhospitalière. Et comme la pandémie a renforcé la crainte des métropoles, hein, c'est un peu, on a montré du doigt hein, d'abord en octobre les métropoles par rapport aux autres du pays, c'est d'autant plus nécessaire en tout cas d'avoir une politique très inclusive. Alors avant de passer aux pistes de réflexion pour demain, une petite question arrivée sur le 0. Je ne connais même plus mon numéro de téléphone. L'image des transports en commun et des déplacements, les tendances sont-elles similaires en Europe ? Alors, on n'a pas ce type d'enquête. Enfin, là, on a vraiment... Je ne peux pas vous dire si c'est exactement de la même manière, parce que les pratiques dans les transports publics ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que typiquement, dans les bus à étage où il y a beaucoup de places assises et moins de gens debout, je ne sais pas si dans le métro de Londres, c'est pire. Il aurait fallu avoir la même méthodologie partout. Mais comme 50% de l'activité du groupe Keolis est en France, c'est vrai que la majorité des études sont pilotées en France, et on fait des enquêtes d'accompagnement dans un certain nombre d'autres villes européennes, mais je ne peux pas vous donner là un bilan global. Je suis désolé. Alors, autre question. Bonjour, je suis frappé par la place de la peur dans l'étude. Est-ce des questions récurrentes de Kéoscopie sur la peur des transports ou une thématique issue de la période ? Ah non, c'est une thématique issue de la période.
C'est-à-dire que ça vient vraiment des sociologues hein, qui nous l'ont dit, hein, des études quali, et qui nous disent, voilà, d'abord, alors nous, on a d'abord voulu savoir qui se considérait comme fragile. Et au total, on se rend compte qu'il y a à peu près, alors je ne l'ai pas mis là, mais qu'il y a à peu près 45% des personnes qui soit se considèrent comme étant fragiles et vulnérables par le Covid, soit qui vivent avec une personne qui est considérée comme vulnérable, soit qui s'occupent d'une personne âgée dépendante. Donc c'est normal que ça prenne une place importante. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, la peur elle est plus pour les autres que pour moi. Hein? Et ce qui explique le fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui s'occupent régulièrement, et ce sont les aidants d'une personne âgée dépendante, de gens malades, etc., ou de gens qui, sans être malades, en tout cas font partie des personnes à risque. Et c'est ce qui explique un peu cette peur. Et puis on le voit bien pour les transports publics, enfin, la rationalité, c'était intéressant de savoir, d'analyser ça pour savoir quelles sont les mesures à mettre en place à court et moyen terme pour essayer justement de surmonter ça. Donc dans un premier temps, c'est restaurer la confiance. Alors, quelques pistes de réflexion pour demain. Mais les transports, pourquoi ça? Parce qu'il y a une bonne partie des citoyens qui pensent que le dérèglement du système climatique est lié avec les pandémies. C'est-à-dire que les pandémies, on n'en a pas terminé, parce que si on continue à dérégler la planète, ben nécessairement, on aura sans doute un peu plus de virus dans le futur avec la fin, la fonte des glaciers, la libération de certaines... Peu importe. Enfin, quand je dis peu importe, c'est un fait. Donc, les transports publics et les mobilités partagées, ou le vélo, la marche, le transport public, les taxis, font partie de la solution. Alors, dans un premier temps, c'est rassurer. Donc, c'est l'hygiène, c'est la sécurité le soir dans des pôles d'échange qui sont peu fréquentés. Parce que dans cette période de confinement, puis vous avez entendu, on va sans doute rentrer dans une nouvelle période de couvre-feu à partir du 15 décembre. Couvre-feu, ça veut dire qu'on n'a pratiquement plus personne, à part quelques personnes qui travaillent, le soir après 21h. Donc ça veut dire que si d'habitude, dans un pôle d'échange, quand j'attends mon bus à 21h, on est 15, ben là, globalement, et sur les chiffres qu'on a dans les statistiques, on va se retrouver plus que 2. Et si dans ce pôle d'échange, il y a 4 personnes dites indésirables, eh ben, quand c'est 4 et que vous êtes 15 à attendre un bus, ça va. Si vous êtes plus qu'un ou deux, et que vous avez 4-5 personnes qui sont indésirables autour de vous, voire qui vous sentez menacé, là, ça crée un vrai problème à court terme. Donc, la sécurisation des lieux pendant cette période-là, où la nuit tombe tôt, à 18h, il fait nuit, et où la chute de trafic est beaucoup plus forte à partir de 19h que le reste de la journée, parce qu'il y a moins de raisons de sortir à 19h ou à 20h, et ça va être encore renforcé en décembre, mais bien évidemment, ça joue très fort. Donc ça, c'est des mesures à court terme. Ensuite, bien évidemment, à plus moyen terme et à long terme, il y a fort à parier que le besoin d'espace, il va être fort. C'est-à-dire que globalement, c'est de se dire, mais attends, c'est terminé quoi, de se transporter comme ça, d'être transporté, entassé, etc. Il faut demain qu'on soit quelque part dans un système, en tout cas de mobilité partagée, où la norme de confort, c'est plus X personnes au mètre carré. Enfin, raisonner dans un ascenseur. Bon, quand les gens me parlent de nombre de personnes dans un mètre carré, je leur dis, ben regardez si vous montez en respectant cette norme-là dans un ascenseur. C'est limite, hein. Et nous, on appelle ça des normes confort. Non, ce n'est pas des normes confort. C'est des normes acceptables ou tolérables. Et là, il y a fort à penser, on va le renouveler, de faire des enquêtes précises auprès des citoyens pour voir qu'est-ce qu'ils appellent réellement une norme confort dans les transports publics. Mais ça invite à se remettre complètement en cause. Et c'est lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui étaient sous la pile, hein. Et il faut les remonter au-dessus de la pile. Les politiques temporelles. Moi, je fais partie de ceux qui sont désolés. Depuis 8 ans, j'ai l'impression de pouvoir parler que du campus de Rennes. C'est-à-dire où là, sur un gros campus, un gros, pas 2000 étudiants, mais sur 25 000 étudiants, la moitié des étudiants rentrent à 8h15, l'autre moitié à 8h30. Et voilà, pas à avoir assez de rames de métro, pas à détruire la station de métro pour la reconstruire, et surtout plus de confort. Voilà, ça fait 8 ans, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Donc là, c'est l'occasion, sans doute, avec cette problématique d'avoir plus de gestion d'espace, y compris sur les campus, dans les transports publics, de combiner en quelque sorte nos envies et de se dire, mais il faut vraiment qu'on profite de ces leviers-là pour que dans les entreprises, dans les écoles, les lycées, les collèges et sur les facs, on arrive à mettre réellement en place, avec le bureau des temps, avec l'agglomération, avec les opérateurs, une politique qui permette réellement de faire en sorte. Il faut vraiment la monter sur le devant de la pile, parce que c'est quelque chose qui permet en tout cas de... Puis il y a toute la réflexion sur la désaturation. Là, c'est pareil. Des fois, on a un peu l'impression de...
d'être un peu dans un désert, parce qu'on se dit, mais quand même, on est toujours focalisé par les flux, par le trafic. À Bordeaux, il y a quand même 20% des gens du trafic sur le tramway qui fait une ou deux interstations. C'est-à-dire, on peut quand même se dire qu'on pourrait offrir, c'est toute la campagne d'ailleurs de la com aujourd'hui sur Bordeaux, de dire, mais si on sortait les gens, si on leur donnait envie de leur donner les bons itinéraires à pied, puisqu'il faut profiter de la période qu'il y a aujourd'hui, puisque les gens essayent de le découvrir par eux-mêmes, ben, peut-être un peu les prendre par la main pour leur dire, ben, quand vous le pouvez, quand la météo le permet, quand vous n'êtes pas chargé, si vous êtes en forme, bien évidemment, mais de penser en tout cas à la solution à pied. Vraiment, c'est quelque chose d'intéressant. Sachez juste que pour Bordeaux, je cite toujours les exemples que vous avez à Alouette, à Pessac, à la gare de Senon, parce que ça, typiquement, ça permet de désaturer la pointe en multipliant les points de descente entre le TER et le réseau de transport urbain, plutôt que de tout concentrer à la gare centrale qui, quelquefois, fait peur. Et on espère travailler beaucoup, y compris en dynamique, n'est-ce pas, sur ce que font un peu à la traditionnelle sur les trains, c'est-à-dire d'indiquer, là aussi c'est pareil, les trains, les horaires où il ne faut pas utiliser parce qu'il y a du monde. Au moins informer nos occasionnels, les gens qui n'ont pas l'habitude d'une ligne, qui ne savent pas que ce jour-là, il y a une foire expo, enfin on va imaginer qu'on est après le Covid, puisqu'on est à moyen terme là, et que ce jour-là, il y aura du monde à cette heure-là. Informer les gens en amont. Et ça, c'est des choses importantes. Donc, en croisant toutes ces approches, on peut arriver en tout cas à avoir une mobilité plus vertueuse. Bon, en même temps, penser à une réflexion tarifaire, puisque les mobilités vont encore s'amplifier. Alors, il n'y a pas que le télétravail. Hein. Il y avait des tas de gens qui travaillaient à temps partiel, à temps plein, mais sur 4 jours. Et puis, on aura à lutter contre les mobilités. Et là, c'est un travail collectif entre les collectivités et l'opérateur. C'est-à-dire que, est-ce que je reste sur mon canapé parce que je me suis abonné à Netflix, HBO, Disney, ou est-ce que je vais à nouveau au cinéma, hein? Est-ce que je me fais livrer des repas à domicile, ou est-ce que je fais vivre la ville? Est-ce que je vais place du Parlement? Est-ce que je vais dans la galerie marchande? Peu importe, mais est-ce que je vais faire vivre la ville, ou est-ce que je reste chez moi pour faire un certain nombre d'activités? Donc là, c'est vraiment aussi, c'est ce qu'appellent les agences de tourisme, tout un tas, hein, lutter contre la tentation du canapé. Parce qu'une ville où tout chacun reste chez soi, c'est plus une ville plaisir. La ville, elle doit quand même aussi être rythmée, bouger, on doit croiser les gens, c'est un lieu de rencontre, etc. Et donc, c'est quelque chose de relativement important, on va dire, à moyen et long terme. Alors, avant de prendre quelques questions, peut-être ici dans la salle, commentaires et questions arrivées sur les SMS. Plus de télétravail égale plus de confort dans les transports en commun, point d'interrogation. Oui, parce que ça. Alors, oui et non. Oui, quand il s'agit de. Quand on est dans des zones où il y a un peu une concentration de sièges sociaux, par exemple, où les métiers là, peuvent se prêter au télétravail. Et donc là, on peut avoir à l'heure de pointe, si une partie des gens prennent à des heures traditionnelles, un peu moins de monde. Mais c'est bien moins efficace qu'une politique temporelle des universités. Mais ça peut être efficace. Deux questions et réflexions sur la thématique de la sécurité. Y aurait-il un effet vigipirate ? Également. Et puis, bonjour, il n'y a pas de propos sur la montée des incivilités, les questions de sécurité des voyageurs et des conducteurs. Ah si, je l'ai dit pour le soir, enfin, je l'ai pointé pour le soir, c'est-à-dire que par rapport au premier confinement, notre caractéristique, c'est que la nuit, elle tombe tôt et que le sentiment d'insécurité, il s'accroît. Je suis désolé, je vais le dire comme ça, mais si je suis à Butinière le soir, J'ai un peu plus peur à 19h en ce moment qu'à 19h au mois de février, qu'au mois d'avril, quoi. Globalement, parce qu'il fait nuit tôt, parce qu'il y a moins de monde, parce qu'il n'y a pas de troquet ouvert, enfin, il n'y a rien. Et même en temps normal, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, voilà, donc il y a des lieux comme ça. Et comme il y a beaucoup moins de fréquentation à partir de 19h, ben l'insécurisation, elle remonte beaucoup. Donc si, là-dessus, elle est relativement importante. Et on a parlé des lieux de tension. Donc les conducteurs et les conductrices, ils sont en prise avec cette tension. De temps en temps, enfin, notamment quand on est dans le bus, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils ont constaté qu'il y a quelqu'un qui téléphonait sans le masque, etc. Le conducteur, il le voit bien. Oui, il peut être amené à jouer ce rôle un peu de régulateur, qui n'est pas toujours facile à jouer. Oui. Est-ce qu'on a des questions, des remarques, des réflexions ici, dans la salle ? Non ? Monsieur, on va vous apporter un micro.
Attendez, alors juste parce qu'en même temps, pour que tout le monde puisse vous entendre aussi dans la question. Vous venez de mettre en évidence que la saturation des moyens de transport est variable d'heure en heure dans la journée. Existe-t-il quelque part dans un réseau un exemple où ce phénomène a été traité par une tarification particulière qui tient compte de ce tarif horaire, c'est-à-dire un droit à se déplacer qui serait débité et modulé en fonction de la saturation du réseau? Oui, alors en général, ça c'est une technique qui est appliquée dans l'hôtellerie, dans les trains grands voyageurs, dans l'aviation, voire dans les parcs de loisirs. La seule différence avec le transport public urbain, c'est que quand on fait payer, on va dire plus cher, parce que c'est comme ça que ça se voit éventuellement, c'est-à-dire que plus cher à l'heure de pointe dans le TGV, c'est pas un problème parce que la qualité du service, elle est identique, en principe. C'est-à-dire que le TGV roule à 300 km/h et vous avez une place assise garantie. L'avion, c'est pareil, etc. En revanche, le problème du transport public en ville, c'est qu'on est saturé, donc même s'il y a moins de monde, il y a du monde, et en plus, on a des irrégularités à un temps de parcours plus long, notamment sur le bus, mais même sur le tramway, il y a des irrégularités, etc. Donc, c'est un peu difficile de dire qu'on... Voilà. En revanche, il y a malgré tout des recherches, et on pourrait imaginer avec les billettiques que demain on y arrive, de dire qu'on peut inciter malgré tout des formules d'abonnement qui vont privilégier les heures, on va dire, de moindre trafic, hein, pas des heures creuses, mais de moindre trafic. On exclut, mettons, 1 heure le matin et 2 heures le soir, mais dans lequel, si vous validez à ce moment-là, malgré tout, vous êtes prélevé au prix d'un ticket au tarif avantageux, vous voyez. Mais c'est-à-dire qu'il y a des formules d'abonnement qui ont existé dans le passé, puis on a voulu simplifier à l'extrême, donc on a voulu faire des gammes plus simples. Et effectivement, c'est pour ça que je disais, c'est peut-être l'occasion de repenser les gammes tarifaires. Peut-être qu'on peut imaginer de réfléchir à des gammes qui privilégient en tout cas les déplacements en dehors de l'heure de pointe, mais qui ne les interdisent pas non plus. Sauf que ça coûtera peut-être 50 centimes de plus par rapport à un tarif d'abonnement qui lui est plus bas, par exemple. Mais en même temps, chez nous, la différence de prix, elle n'est jamais bien énorme. C'est-à-dire que par rapport aux billets de train ou aux billets d'avion, nous, la différence, elle est en faciale hein, au prix du voyage. Elle n'est pas extraordinaire, la différence. C'est pour ça qu'on dit que c'est plutôt la politique temporelle, la marche, travailler l'étalement des horaires, inciter les... et puis faire connaître, parce que beaucoup de personnes se déplacent à des heures, parce qu'ils ne savent pas qu'à ce moment-là, tout le monde n'est pas habitué, enfin on le verra tout à l'heure, on est loin de s'adresser qu'à des habitués. Voilà, on verra qu'il y a aussi des occasionnels, et ça va être un des chapitres de la deuxième partie que l'on va entamer maintenant. Je rappelle donc que vous pouvez poser vos questions via SMS 0. Et on passe donc, Eric, à la deuxième partie, bâtir une mobilité vertueuse et inclusive. On va aller plus vite, parce que là, enfin, quand je dis plus vite, là, on est sur une partie réactualisée de choses, pour une partie, hein, de choses que certains d'entre vous ont déjà entendues. Donc là, pour bâtir des solutions de demain, il faut garder un ADN, il faut garder un certain nombre de fondamentaux. Il faut déjà toujours bien continuer à savoir décrypter l'environnement dans lequel on vit, en pensant à chaque fois pluralité des citoyens et des citoyennes, hein, c'est-à-dire ne pas globaliser, donc toujours penser la pluralité des citoyens et la diversité des territoires. C'est vraiment deux fils conducteurs importants de dire, voilà, il faut continuer à travailler comme ça, et donc il ne faut pas tomber dans les pièges. Et donc bien décrypter l'environnement, ça veut dire qu'il ne faut pas toujours faire trop confiance à ce que l'on voit. Donc, vous voyez, ça, c'est les médias au moment de l'été. Donc, globalement, c'est le chassé-croisé sur les autoroutes de vacances. Et comme parmi vous, j'imagine que la majorité d'entre vous, vous partez en vacances l'été, on finit par croire que les villes sont désertes, que tout le monde part, etc. Or, en fait, 75% des métropolitains ne partent pas, soit partent une semaine ou éventuellement 2 semaines. Ce qui veut dire que 75% des métropolitains sont présents 7 semaines sur 9 pendant l'été dans leur ville. 24% ne quittent jamais leur territoire de l'année. 24% prennent des congés, mais pas pendant l'été, mais à une autre période. Et puis vous en avez 15% qui partent qu'une semaine et à peu près 20% qui partent entre 1 et 2 semaines. Donc au total, c'est 75% des gens. Mais ce qu'on voit, c'est l'impression que les villes se vident. Pourquoi ? Parce qu'à 15% de circulation de moins, à peu près, c'est la différence entre la congestion et la fluidité. Donc vous, ce que vous avez l'impression en tant que citoyen d'une ville,
Vous avez l'impression que ça devient fluide, donc vous avez l'impression que ben voilà, tout le monde est parti. Ben non, on peut être en vacances, mais rester chez soi. Les vacances, ça ne veut pas dire qu'on part. Ça veut dire qu'on est en congé éventuellement pour ceux qui en ont, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on part. Mais comme les heures se déplacent, il y a moins de monde en heure de pointe qui se déplace, il y a 15% de trafic en moins, ça circule bien. Et quand ça circule bien, il n'y a plus de bouchons, et donc on a l'impression que ça se passe bien. Oui, monsieur Bavou. Des deux côtés en plus. Oui, des deux côtés, mais ça va revenir. Non, pour les plus attentifs qui ont eu l'habitude de voir les enquêtes kioscopie d'habitude, c'était pas l'été, c'était l'hiver, vous mettiez un bouchon. Mais là, vous avez été gentil parce que fait comme on va pas pouvoir aller au ski cette année, vous avez dit, oh, on met pas les vacances. Quand même. C'est sympa. Merci Stéphane de remarquer l'attention et l'empathie que je porte au public. Exactement. À ne pas agiter de drapeau rouge. Il n'y aura pas d'embouteillage sur les remontées mécaniques cette année. Oui. Allez, on juste parle... un deuxième exemple pour montrer qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'on voit. On ne parle que des fragilités visibles. Vous prenez les pictos d'entrée au musée, dans les bâtiments publics, dans les transports publics, dans les hypermarchés, on ne voit quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un visible. Donc collectivement, ça nous donne l'impression que la femme qui est enceinte, elle est enceinte, il faut que ça se voit. Donc à 2 mois, ce n'est pas grave. Personne n'est malade à 2 mois quand on est enceinte. C'est au bout de 8 mois, quand le ventre se voit bien. C'est les personnes qui sont âgées, mais âgées parce qu'elles sont voûtées. Mais par contre, tous les autres, ça ne se voit pas. Donc là, typiquement, on est dans une société, on le verra dans la troisième partie, où les fragilités invisibles ne cessent d'augmenter. Et en réalité, tous nos pictos, toutes nos recommandations ne portent souvent que sur les fragilités visibles. On doit laisser sa place. On est même capable de faire lever quelqu'un entre soi. Alors, quelqu'un qui est malade pour laisser la place à quelqu'un qui paraît fragile, mais parce que ça se voit. Donc ça, c'est vraiment attention à cet aspect-là. On sous-estime la fragilité de la société de manière très importante. Et le troisième point, c'est toujours pareil, c'est l'heure de pointe que vous évoquiez. C'est-à-dire que l'heure de pointe sur peu d'heures et quelques jours dans l'année, 180 jours, on a beaucoup de monde. Donc forcément, comme c'est sur peu d'heures, ça fait beaucoup de trafic. Mais beaucoup de trafic à un moment donné, mais au final, sur une année, c'est à peu près 26% du trafic annuel à Bordeaux qui, globalement, est assuré en pointe, mais ça veut dire que 75% du trafic, 74%, est assuré à d'autres moments de l'année, les week-ends, l'été, les vacances scolaires, etc. Donc, quand on fait une réorganisation de réseau, souvent, les modélisateurs vous font des plans sur l'heure de pointe, des gains de temps simulés sur l'heure de pointe. Le seul problème, c'est que 75% du trafic ne se passe pas à l'heure de pointe. Donc, il faut que quand on réorganise les zones de mobilité, que le gain de temps soit bien à toutes les périodes et pas uniquement à l'heure de pointe. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance un petit peu à sous-estimer. De la même manière que nous nous sommes rendus compte que les gens sans voiture, on ne les voit pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je le dis là, je ne vais pas vous dire non, mais c'est des maires qui m'en ont parlé. Je veux même vous dire que maire d'une assez grande ville, on va dire, une fois, on était en petit comité, mais je trouve que c'est intéressant. Enfin, à chaque fois, c'est du qualitatif, hein, mais la semaine dernière, c'est pareil. Mais le premier maire me dit, mais c'est pas possible. Il n'y a aucun adjoint qui peut s'imaginer qu'il y a autant de personnes dans notre commune qui vivent sans voiture. On ne les voit pas. Ils sont invisibles. Ce qu'on voit, c'est les gens qui stationnent en bas des immeubles. On voit les gens qui stationnent sur les campus, on ne voit pas les autres. Et vous voyez, alors le deuxième point, c'est attention moyenne. Vous avez 23% des ménages qui ne sont pas motorisés sur la métropole de Bordeaux. Alors vous voyez l'écart, hein, c'est 38% sur la ville de Bordeaux et 15% sur les autres communes de la métropole. Donc vous voyez l'énorme écart qu'il y a autour d'une moyenne à 23%. Si on regarde sur Bordeaux, on monte à 50% de ménages non motorisés dans le centre-ville sud, c'est-à-dire au sud du cours Alsace-Lorraine jusqu'à la gare, intégrée Victoire, etc. Et vous êtes sur le Bordeaux-centre-ville nord, c'est-à-dire au nord du cours Alsace-Lorraine jusqu'au Quinconce, intégrant Mériadec, vous êtes à 43%. Si on est au Grand Parc ou le secteur au bout de la rue de la Benauge, vous êtes à peu près à 35-40% de gens qui n'ont pas de voiture. À Thouars, quartier qui est plutôt populaire, à Talence, c'est à peu près 35%. Or, le quartier de la Benauge, enfin, au bout, c'est 28%. Et puis vous avez le parc bordelais, Codéran, qui est à 9%.
Donc, vous voyez, il y a des différences énormes entre les quartiers. Et quand on passe les communes de Bordeaux, comme dans beaucoup de villes, beaucoup d'agglomérations, c'est les communes qui ont le taux de pauvreté le plus élevé. Donc, Senon et Lormont sont à 27% de taux de pauvreté et elles ont 26% des ménages qui n'ont pas de voiture. Et après, on voit que Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin et le Taillon-Médoc, où il y a à peu près un taux de pauvreté qu'autour de 7%, on est à 6% de ménages non motorisés. Donc, on voit qu'il y a plusieurs types de personnes qui n'ont pas de voiture, des personnes qui habitent dans le centre-ville parce qu'il y a une mixité d'étudiants et de personnes âgées et de gens pour qui il y a tellement d'offres parce que quand on habite dans le centre-ville, on peut aller partout facilement, en transport public, à pied, etc. Et puis que c'est difficile de se garer. Et après, très, très vite, on va être, soit c'est des quartiers étudiants ou âgés, ou des quartiers avec taux de pauvreté. Et donc, juste la question qui se pose, c'est que de temps en temps, il faut qu'on raisonne en équité et pas qu'en égalité. C'est-à-dire entre deux quartiers de 10 000 habitants. Si vous avez un quartier de 10 000 habitants, vous avez 30% des ménages qui n'ont pas de voiture. Et si vous avez un quartier de 10 000 habitants, on va dire, tous les quartiers, je dis n'importe quoi, de Saint-Médard-en-Jalles, Copian, Magudas, Sérillan, Issac, etc., où vous avez là, par contre, beaucoup de gens bimotorisés, la demande de mobilité, elle va être très différente le soir, le week-end et pendant les vacances. Parce que les taux de départ en vacances vont être très différents selon le type de quartier, et parce que le soir, ou le week-end, ou le dimanche notamment, ben vous avez quand vous n'avez pas de voiture, vous avez un besoin de lien social malgré tout, et vous avez besoin donc d'utiliser des solutions alternatives à la possession de voiture. Donc là, il faut juste être attentif à cette notion de ce qu'on appelle la permanence d'attractivité et de rétablir l'équité. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, enfin, on l'a vu dans plein de villes. Au moment du déconfinement, les lignes qui desservent les quartiers populaires ont réaugmenté beaucoup plus vite, mais de manière très notable, que les lignes ou les quartiers qui étaient qui desservaient des secteurs plus résidentiels. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de gens qui pouvaient télétravailler dans les quartiers résidentiels et qu'il y a des gens qui choisissaient l'évitement avec la voiture. On reste sur la voiture avec des fragilités invisibles aussi liées à l'usage de la voiture. Très rapidement, et après j'ai deux questions corollaires au déplacement. Voilà, c'est très rapidement. C'est pour dire qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on a une voiture qu'on la conduit bien. Il y a des tas de gens qui, de toute façon, n'aiment pas conduire la nuit, qui évitent la quasi-totalité du temps de conduire quand il fait nuit, quand il pleut, quand aurore, de faire un créneau. Le créneau, c'est quel que soit l'âge. Ici, c'est quand même très marqué selon l'âge. C'est-à-dire que globalement, plus vous avancez en âge, plus il y a des gens qui évitent de conduire quand il fait nuit, quand il pleut. Ça aussi, c'est un phénomène qu'on n'a pas. On pense que les gens sont motorisés. Mais en fait, avoir une voiture, je peux avoir un traitement médicamenteux qui m'empêche de conduire. Deux questions corollaires à la question du véhicule personnel. Bordeaux est considéré comme la troisième ville la plus embouteillée. Quel est votre regard sur l'enquête TomTom ? Est-ce que vous connaissez les résultats de l'enquête TomTom ? Oui, alors elle est la plus embouteillée parce que Bordeaux a des caractéristiques qu'il ne faut pas oublier. Bordeaux était une grande ville, a été une grande ville du Royaume de France. Donc c'était une ville qui a une population très importante. Il n'y a pas eu de préfet au XIXe siècle, au moment de Napoléon III, qui a fait de grandes percées. C'est-à-dire par rapport à d'autres villes où il y a eu des percées qui ont été, voilà, il y a eu la rue Vital-Carle, je crois, mais il n'y a pas eu énormément de grandes percées à ce moment-là. Donc, une population très importante historique, ça veut dire qu'un étendu, un centre historique, c'est pour ça qu'elle est classée au patrimoine, très étendu, avec une urbanisation en droit de gant et avec des rues de faubourg qui sont relativement étroites. Dans une taille plus réduite, on a Orléans, qui est de la même caractéristique. Orléans était une ville du royaume très importante, et donc proportionnellement, le centre-ville étroit par rapport à d'autres agglomérations est beaucoup plus importante que pour des villes de taille comparable. Un deuxième effet, il n'y a pas eu la guerre. Désolé, les bombardements par rapport à Reims, par rapport aux villes de l'Est de la France, la ville a été relativement épargnée, coup sûr, par la Première Guerre mondiale par rapport à des villes comme Reims, et aussi, malgré tout, par la Deuxième Guerre mondiale, qui, dans certaines villes, alors si on prend Caen, les villes de l'Ouest, etc., ont pu avoir ça. Et la troisième caractéristique, c'est quand même la coupure du fleuve. Enfin, je veux dire, il y a quand même une coupure du fleuve historique qui est large par rapport aux autres fleuves de France. Hein. Regardez Lyon, le nombre de ponts, ou Paris, le nombre de ponts qu'il y a sur des fleuves qui sont relativement facilement franchissables. Et regardez, pendant longtemps, il a fallu attendre Napoléon Ier, l'invasion en Espagne, pour qu'on ait le pont de pierre. Enfin, je veux dire, quelque part, l'historique du pont de pierre. C'est-à-dire qu'il y a peu de franchissements de riverains. Donc tout ça a créé des contraintes un peu particulières à Bordeaux et qui aujourd'hui encore
joue aussi, il y en a sûrement d'autres, hein, mais celle-ci joue aussi. Donc un tissu vierre, un tissu de voirie relativement étroit lié à l'histoire de la ville très ancienne, peu d'aération créée au 19e siècle et heureusement par la destruction du 20e, et puis cette coupure quand même naturelle du franchissement de la Garonne. Voilà. Alors, comme tout le monde est subjugué comme moi sur votre connaissance de l'histoire et de la géographie de Bordeaux, quoi. Il y a une question. Il y a une question qui est, vous évoquiez le pont de pierre à l'instant. Question qui est posée. Ne pensez-vous pas que la fermeture du pont de pierre aux véhicules motorisés hors transport en commun crée une rupture des mobilités, voire une rupture sociale? Je peux répéter la question. Ne pensez-vous pas que la fermeture du pont de pierre aux véhicules motorisés hors transport en commun crée une rupture de mobilité et une rupture sociale? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Enfin, le tramway le prend toujours, des lignes de bus le prennent toujours, il est franchissable en vélo, à pied. La mobilité piétonne s'est beaucoup accentuée. Si je suis en voiture, je peux éventuellement prendre le pont Saint-Jean au sud ou passer par le nouveau pont Chaban-Delmas au nord. Je ne dirais pas que c'est une rupture sociale, en tout cas. Ça complique la vie peut-être de quelques personnes qui étaient franchement tout voiture, mais aller de la rive droite de ce secteur-là pour aller dans le centre-ville de Bordeaux, c'est plutôt... Enfin, je ne sais pas si je parlerais de rupture sociale. Et si on fait du contournement, après c'est des politiques qu'ont mis en place beaucoup de villes européennes et ailleurs, de dire ben, si on va au-delà... Ben, l'idéal, c'est quand même de contourner la partie centrale des flux. Ça permet une ville plus apaisée, plus vivable. Et je pense qu'au titre de ce qui se passe depuis la crise de la Covid, je pense que rendre une ville plus apaisée, c'est important. Par contre, il ne faut pas freiner les gens qui viennent de l'extérieur dans la métropole. Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Très bien. Allez, on poursuit avec le décryptage de l'environnement et avec... ce que vous appelez les effets parfois de myopie et d'entre-soi. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu, dans bien décrypter, vous savez, avant de lancer une étude ou de l'interpréter, il faut toujours se méfier de se dire, bah, attention, on interprète en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on est, de ce qu'on... Voilà, la myopie, c'est quoi? C'est qu'on connaît mieux ce qu'on connaît que ce qu'on ne connaît pas. Dire je vais connaître mes collègues, mes amis, mes voisins, ma famille mieux que des gens que je ne connais pas. Et on a tendance à faire un peu à projeter sur les autres ce que nous, on connaît. Donc, faire attention. Voilà, on est dans un monde, je suis désolé. Donc, Frédéric, je corrige, c'est bien la photo de les RNTP de Marseille, du congrès. La dernière fois, j'avais dit non, donc ça date de 2 ans. Donc, le congrès de Marseille, on est dans une mobilité pensée par des hommes. C'est-à-dire qu'on est majoritairement, la mobilité, elle est pensée au niveau national, etc., plutôt par un monde d'hommes. C'est comme ça, donc il y a des choses qui sont vues. Puis alors, quand on pense aux femmes, hein, les femmes, elles ont peur. Bon, mais je caricature un peu, mais tout de suite, la femme, c'est un petit objet, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a peur. Attention à ne pas essentialiser là aussi les choses. Alors, bien évidemment, quand on est, il ne s'agit pas de généraliser, mais prendre en condition, en tout cas, prendre en compte un certain nombre de caractéristiques, de demandes, ça me paraît important. Deuxièmement, on connaît tout. On sait ce que c'est qu'un tramway, un bus, un intercité, un TGV, les formules tarifaires. On sait faire. Globalement, on est connecté. Globalement, on est connecté. Et quelquefois, nos smartphones sont payés par l'entreprise. Donc, quand Keolis, je vous donne l'exemple, puisque je fais partie, entre guillemets, modestement, de ce qu'on pourrait appeler des décideurs, ou de ceux qui pensent à mobilité. Quand que l'ISI, il faut changer de logiciel de note de frais, il faut charger une application. Ben moi, ça ne marche pas sur mon téléphone. Facile, hein? J'ai pas de place, mais il faut vous libérer des images. Ben non, j'ai pas envie de libérer la photo. Moi, ça me sert pour prendre des photos de travail. J'ai pas envie. Mais qu'est-ce que je vais avoir? Je vais voir la DSI, on me change de téléphone. Je sais même pas combien ça coûte. On me change mon téléphone pour que je puisse charger la note de frais. Mais c'est pas la vraie vie, ça. C'est pas la vraie vie. Enfin, c'est la vraie vie pour moi, pour un certain nombre de gens, mais ce n'est pas la vraie vie de tout le monde. Donc attention, nous on a l'habitude de code, on a une rationalité. Alors là, je rappelle, parce que ça interpelle pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je rends hommage au président, au directeur de l'agence urbaniste de Brest qui est mort et qui m'avait dit il y a longtemps, qui m'avait ouvert les yeux là-dessus en disant « arrêtez avec vos rationalités ». Et après on a vu que les sociologues lui ont donné raison pour d'autres autres choses. À Brest, j'ai 40% des gens dans la journée, il faut qu'ils voient la mer. Donc, votre gain de temps, ils s'en foutent. Pour eux, il faut qu'ils voient de toute façon la mer, à pied, à vélo, en voiture. Il faut qu'ils fassent un trajet où ils voient le Goulet, où ils voient la mer, etc., la rade. Ensuite, puisqu'on parlait du numérique, ben c'est quand même important de savoir que nous, on a l'impression de voir, on a l'impression que tout le monde se sert, tout le monde a un smartphone, etc. Mais en fait, on ne s'en sert pas de la même manière. C'est exactement comme la voiture, je vous parlais tout à l'heure. On a une voiture.
Mais moi, je n'ai pas aimé conduire le soir quand il pleut, puis l'autre, ça ne lui pose pas de problème. Moi, j'habite Créon, et quand je me rends à Bordeaux, c'est compliqué. Et puis, il y a d'autres personnes qui habitent dans le même territoire et pour qui ce n'est pas une rigolade de rentrer sur Bordeaux. Donc, c'est ça. Ben, le smartphone, c'est pareil. Le rapport au digital, c'est pareil. Donc, vous avez les gens qui sont très agiles. Ça, c'est l'enquête de 2019, novembre 2019. On aura les résultats de celle de novembre 2020 dans deux jours. François, tu n'as pas les résultats qui sont tombés cette nuit, entre 2h et 7h du matin. Donc, ça, c'est une enquête qui est faite régulièrement toutes les années et où le nombre de gens très agiles diminue. Pourquoi ? Parce que ça avance trop vite. C'est-à-dire que globalement, l'impression, le sentiment généralisé de 60% des gens, c'est que le sentiment de dépossession par rapport à une évolution technologique qui en plus est perçue un peu comme imposée et qu'on ne peut plus maîtriser. Et donc ça, c'est important, ce qui fait qu'on a des agiles, des gens qui se considéraient avant agiles ici, qui sont passés là, agiles avec réserve, qui disent « moi, je n'ai pas de problème », mais par moment quand même, ils ont changé leur truc, leur mot de passe, et puis ça manque d'accompagnement humain. Voilà, j'ai plein d'irritants, j'ai des petits irritants. Et puis il y a tous ceux qu'on oublie trop souvent, dire que j'ai un smartphone, mais alors sûrement pas pour faire un truc administratif. Le smartphone, c'est les jeux, la vidéo, la musique, les réseaux sociaux. Mais je vais sûrement pas prendre de la place sur mon smartphone pour y mettre une application, etc., comme ça. Donc, pas du tout. Moi, pour faire mon CV, je me mets, ou pour faire ma déclaration d'impôt, pour préparer un itinéraire, pour rechercher un appartement, c'est tablette ou PC. Ce que les sociologues avaient appelé il y a 4 ans avec les textos, les web-assi. Les contraintes, 12%, c'est je m'y mets. Je suis bien obligé de m'y mettre, hein, mais c'est dur, c'est difficile pour moi. Il y a ceux-là, ils ne savent même pas s'ils ont un téléphone classique ou un téléphone smartphone. Et quand ils ont un smartphone, le plus loin qu'ils vont, c'est qu'ils ont compris qu'on va prendre des photos. Voilà, ça s'arrête là. Et puis, il est online. Donc voilà, c'est pour vous montrer simplement que c'est important de ne pas penser qu'on est entre soi. Et dernier point, c'est que la mobilité, elle est pensée par des gens qui ont fait des études, souvent, et des études supérieures. Et on oublie que sur une région comme la Nouvelle-Aquitaine, vous avez 7 habitants sur 10 qui sont sortis des études qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, je dis au passage, excusez-moi, là je peux faire des essentialistes, la première langue vivante anglais, il y en a quand même beaucoup qui ne l'ont pas fait longtemps. On va le dire comme ça. Donc quand on met des anglicismes un peu à tout bout de champ, qu'on met des... C'est pas facile quand on veut s'adresser à tout le monde. Notamment même TBM. Où on pense qu'on s'adresse à des métropolitains, oui, mais ça attire des gens qui viennent du rural, qui viennent de villes qui ont peut-être moins de niveau de diplôme qu'une ville où il y a 103 000 étudiants aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand même important de se dire, voilà, ça vous est, 28% des adultes ont comme diplôme majeur le BEP et le CAP. Ça, c'est le brevet des collèges. Et là, c'est le certificat d'études, le diplôme majeur. Donc voilà, c'est juste y penser, de dire que globalement, la mobilité est pensée par une petite partie des gens qui sont ici. Alors, dans la toute première partie, on a commencé à évoquer les sujets de mode de vie qui évoluaient, qui changeaient. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de tout ça maintenant avec des modes de vie qui sont de plus en plus irréguliers. Donc là-dessus, je ne vous apprends rien pour ceux qui me connaissent. Donc là, j'allais rapidement, mais... Voilà, globalement, c'est de dire, ben voilà, sur la métropole de Bordeaux, si vous prenez tous les adultes qui ont plus de 25 ans, vous en avez 44% qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que ce sont les retraités, les hommes et les femmes sans activité professionnelle. Donc sur les 60 000, il y en a 40 000 qui ont entre 55 et 65 ans, sont plutôt, on va dire, des jeunes retraités, des pré-retraités, etc. Et puis les autres, c'est ce qu'on appelait traditionnellement les hommes aux femmes au foyer, c'est les congés parentaux, etc. Puis vous avez les demandeurs d'emploi. Donc vous voyez, au total, donc on est dans une société de la désynchronisation des modes de vie et que ce qui rythmait à une époque les rythmes qui étaient le travail, les études, ben globalement, c'est 20% des déplacements tout mode. À Bordeaux, dans la dernière enquête ménage déplacement, le motif domicile-travail, il pèse 15%. Auquel il faut rajouter à peu près, je parle sous le contrôle d'Aurélien, 12%, 10 à 12% de déplacements secondaires, enfin 10 secondaires, qui ont une origine ou une destination de travail. Vous voyez bien que analyser la mobilité, qu'elle soit régionale, uniquement par les flux domicile-travail, parce que c'est une statistique qui est disponible sur le fichier de l'INSEE, on ne comprend pas la mobilité. On n'en a qu'une partie essentielle,
mais on n'en a qu'une partie. Et donc, aujourd'hui, on vit avec des gens qui n'ont... Enfin, d'abord, ceux qui travaillent, ben, ce n'est plus les mêmes métiers qu'avant. Si vous regardez les statistiques du ministère du Travail, 3,4 millions de postes ont été créés. Là-dessus, il y en a 1 million qui ont été créés dans ce qui s'appelle l'aide à la personne. Vous en avez 1,4 million dans tout ce qui est la santé, l'éducation, dans les actions culturelles et sportives. C'est dans la même catégorie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, en gros, des métiers qui ne sont pas très réguliers. Ensuite, vous avez, ça c'est l'enquête besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi. Où on cherche du boulot, c'est où les métiers sous tension, c'est alors hors crise de la Covid, puisqu'elle date de l'année dernière au dernier trimestre. C'est la restauration, c'est l'hôtellerie, c'est le maraîchage, c'est la logistique, c'est des aides-soignants, des aides à la personne. Tous des métiers qui ne télétravaillent pas et qui ont nos horaires irréguliers. Et de l'autre côté, les métiers de demain, c'est beaucoup de métiers UX designer, des gens qui travaillent dans des centres de recherche, des cadres, etc. Des métiers qui sont irréguliers, qui peuvent aménager leur temps de travail quelquefois comme ils veulent, qui ont des journées qui peuvent se terminer à 21h si ils ont un dossier terminé ou à 19h. Donc on est dans un monde où même le travail qui avant structurait, mais il ne structure beaucoup moins la société qu'avant, au rythme régulier. Donc on est vraiment dans une société de la désynchronisation. Et le meilleur exemple qu'on voit, alors c'est fou, c'est pareil dans tous les réseaux. C'est-à-dire que depuis 3 ans, on l'a beaucoup fait dans d'autres réseaux et on retrouve toujours les mêmes proportions. Là, vous le voyez, c'est la fréquentation en heure de pointe du matin des gens qui utilisent le réseau TBM, alors là, dernièrement. Donc à la phase de confinement, donc en 2018, je vous ai montré un graphique à l'époque qui était plus important. Mais en gros, 31 000 cartes sont vues entre 7h et 9h le matin sur le réseau TBM. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on voit. Et le lendemain, vous avez 36% de ces personnes-là qu'on ne voit pas et qui sont remplacées par d'autres personnes. Alors je peux juste vous dire quelque chose, c'est que c'est pareil, a priori, c'est pareil sur la voiture. Donc, je présente ce chiffre-là aux techniciens de la métropole européenne de Lille, en février de cette année. Et ils me disent, eux, ils ont voulu faire un péage vertueux. Donc, ils ont installé des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation à l'entrée de la ville. Et ils se sont dit, en gros, on a le même nombre de voitures d'un jour sur l'autre, mais on a 30 et 40% des voitures, des plaques d'immatriculation qui sont différentes. Et ça, ça montre bien à la fois l'effet de la multimodalité, mais l'effet aussi de la désynchronisation. C'est-à-dire qu'on a un cours qui commence ce jour-là à telle heure, mais on a un cours qui commence plus tard. Je télétravaille un jour, je travaille en présentiel un autre jour, et ainsi de suite. Alors bien sûr, si on continue sur 3 jours, je passe très vite. Vous voyez toutes les configurations possibles. Hein. C'est-à-dire que là, si je reviens là-dessus, vous en avez 6 000 qu'on n'a pas vu ni le lundi, mais qu'on va voir que le mardi et le mercredi. 7 000 qu'on voit que le mardi et 7 000 qu'on voit, 6 009, que le mercredi. Donc vous voyez, c'est extrême et au total sur la semaine, ça vous fait un nombre relativement important. Hein, d'à peu près, là on est en moyenne à 31 000 et on est au double de personnes qui ont utilisé sur la semaine l'heure de pointe du matin. Alors ce qui est fascinant, c'est que vous regardez le lundi, vous en avez 31 000. Si je prends le lundi de la semaine suivante, il y en a 44% qui ne sont plus là, mais c'est le même montant. C'est-à-dire que vous avez la même observation, mais le lundi de la semaine suivante, vous avez le même volume de trafic. Et vous dites, bah oui, c'est des flux pendulaires. Ils partent, ils reviennent et tout. Ben non, 44% des personnes qui étaient là le lundi de la première semaine ne sont plus là le lundi de la deuxième semaine à l'heure de pointe du matin. Donc vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose de très important et qui montre bien cette irrégularité des rythmes de vie. Et on en arrive à cette idée qu'il faut distinguer les flux des individus. Ça paraît assez logique d'ailleurs que de dire ben, on a commencé à le voir là par la désynchronisation et donc il faut les distinguer. Et Frédéric Bavret l'a dit au départ. Donc on a pris une autre période qui est le réseau TBM après 21h. D'accord ? Donc là vous avez le réseau TBM après 21h où vous avez le nombre de cartes qui sont vues tous les soirs sur le réseau TBM. Et vous avez le mardi ici. Vous voyez qu'il y a 3200 cartes vues et il y en a simplement 550, parce que là, le renouvellement est beaucoup plus fort après 21h,
qu'on a vues le lundi, et vous en avez 2700 qu'on n'a pas vues. Et quand vous continuez, c'est quand même fascinant, parce que c'est le même ratio qu'on observe partout. Avant confinement, sur les chiffres de 2017, il est exactement au même montant que là, en période interne entre les deux confinements. C'est-à-dire que le ratio ne bouge pas. Et c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, même le vendredi, vous avez 4600 cartes vues, et sur ces 4600, il n'y en a que 1700 qu'on a vues au moins un soir. Je ne sais pas, là-dessus, on ne vous a pas indiqué, sinon on serait illisible, mais on les a vues soit le jeudi, soit le mercredi, soit le mardi, soit le lundi. Et vous en avez 2900 qu'on n'a pas vues. Ce qui veut dire que l'utilité sociale du service, ce n'est pas le flux. Le flux, c'est ce qui va vous permettre de dimensionner un service. Quelle taille de véhicule on met éventuellement? Et là, on est sur le nombre de bénéficiaires, c'est 42 000 personnes différentes sur le mois qui, en fait, ont bénéficié du service. Et ça, c'est le véritable indicateur de l'utilité du nombre de bénéficiaires d'un service public. Et là, c'est pareil. Ça peut nous interpeller pour tout un tas d'autres équipements hors mobilité. Quand la collectivité décide d'ouvrir une médiathèque le dimanche, sur 4 dimanches, alors ça c'est une réflexion pareille de collectivité, sur 4 dimanches, ben oui, mais on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on sait chaque dimanche combien il y a de personnes qui rentrent dans la médiathèque, mais sur les 4 dimanches, c'est combien de personnes différentes qui en ont bénéficié au moins une fois, on ne sait pas. Et vous voyez que c'est un changement complet de raisonnement parce qu'on est vraiment au cœur de la compréhension. Donc on peut le faire au point d'arrêt, et là ça montre tout l'intérêt de l'information, parce qu'on a globalement sur un arrêt comme les arrêts du centre commercial Rive d'Arcin, vous avez à la fois la ligne, la liane 11 qui dessert 2 arrêts, et puis alors la ligne, je ne sais plus si c'est la 34 au sud, qui part de Rive d'Arcin sur 4 arrêts, donc 2 communs avec la liane 11 et 2 parce qu'elle passe devant le multiplex et qu'elle va un peu en direction de la Garonne. Et vous voyez que sur une journée, il y a 150 cartes qui ont été vues monter là, et que vous en avez, sur un mois, 15 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a 2300 personnes qui ont utilisé, alors c'est toujours dans les centres commerciaux, les hôpitaux, qu'on voit un écart très important. Sur un campus, c'est plus réduit, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de distinguer flux des individus, c'est essentiel. Autre chapitre que nous ouvrons maintenant, toujours dans cette séquence sur bâtir une mobilité virtuelle, n'importe vertueux, quoi. Vertueuse et inclusive. Monsieur, mieux prendre en compte, voilà, et mieux prendre en compte les occasionnels. Oui, parce qu'on ne les voit pas. Alors, les occasionnels, on ne les voit pas. Si je vois Frédéric tous les jours, je vais me souvenir de sa tête, je vois tous les jours. Si Pierrick, je vois qu'une fois par mois, puis que vous, je vois une fois par mois, puis vous, une fois par mois, puis vous, une fois par mois, une fois par mois, j'ai moins me souvenir que celui que je vois tous les jours. C'est normal. Mais vous êtes éventuellement 25, chacun d'entre vous, si je vous vois qu'une fois par mois, je vais un peu finir par vous confondre et pas vous souvenir de vous. Par contre, la personne que je vois régulièrement, tout le temps, ben, je m'en souviens. Et en fait, c'est un peu ça notre problème. C'est que globalement, on a tendance à sous-estimer les occasionnels, parce que si on regarde globalement les utilisateurs uniques du réseau TBM, à peu près sur un mois, ben vous avez globalement la moitié d'entre eux d'abord qui ne sont pas faits par des habitants de la métropole. Alors il y a une partie d'entre eux qui sont des réguliers, puisqu'il y a à peu près 13% des porteurs de cartes qui n'habitent pas la métropole de Bordeaux. Donc, ils peuvent être aussi là-dedans. Mais globalement, ça, ce sont les visiteurs de passage plutôt occasionnels. Mais vous voyez, après, ça, ce sont plutôt les habitants de la métropole avec quelques-uns qui sont hors métropole. Et vous avez ici la décomposition de la population. Ce qui veut dire que les occasionnels pèsent 26% du trafic, mais pèsent 48% des recettes. C'est partout pareil, que ce soit dans l'agglopole de Sète où j'étais il y a 2 semaines, que ce soit à Metz où j'étais la semaine dernière. On fait à chaque fois les raisonnements, on retrouve toujours un poids de recette qui est le double par rapport au trafic. Dans la conjoncture où on est, où quand même c'est dur pour les finances des collectivités, mais bien évidemment de se dire qu'il faut s'occuper des occasionnels parce que leur première fois, elle est super importante. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire en sorte que ça se passe bien, à dire qu'il ne faut pas s'exprimer de la même manière quelquefois avec quelqu'un qui est occasionnel par rapport à quelqu'un qui a l'habitude. Et donc, vous voyez ici, au niveau régional, ce que ça donne.
Donc, je crois que je vous l'avais montré, celui-ci, je m'en étais servi en 2018, parce que c'est assez frappant de le voir au niveau régional, c'est-à-dire de se rendre compte que sur les personnes qui prennent le train, c'est pareil. Ça, c'est en région Normandie. Et c'est le président de la région, Hervé Morin, qui sait que je cite, hein, qui avait dit, mais c'est incroyable. Moi, je ne vois que les abonnés dans les réunions publiques. Ils sont 20 000. Le seul problème, c'est qu'il y a 300 000 Normands qui prennent le train plusieurs fois par an et qu'on ne voit pas. Et donc, c'est un peu tout le temps pareil. C'est comment on arrive à donner la parole aux occasionnels, à les prendre en compte, sachant qu'il faut savoir que tout est compliqué. C'est-à-dire que dans cette enquête-là, qui ne concerne pas Bordeaux, mais qui concerne l'Île-de-France, donc faite auprès de franciliens, on demande, on pose des questions simples, hein, on en a plusieurs, mais là je vous en montre qu'une, on demande avec le ticket qui est vendu dans le bus, est-ce que vous pouvez prendre le métro ou le tram? La question, elle est simple quand même. Voilà. Ben, vous en avez 12% qui pensent que c'est vrai, 13% qui sont sûrs que c'est faux. 25% qui pensent que c'est vrai, 13% qui pensent que c'est faux. Et je ne sais pas, 38%. Une question assez basique. Dans un territoire où 90% de la population utilise les transports publics, eh bien, qui a raison, qui a tort, ben, c'est ceux-là qui ont raison. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, quand on achète un ticket vendu dans le bus, de prendre le métro ou de prendre le tram. Et je n'ai pas le droit, je suis sûr qu'on aurait, on n'a pas le droit, quand on sort du métro, de prendre le tram en correspondance. Mais vous voyez bien que même sur quelque chose qui est simple, on ne rentre pas dans quel numéro de ligne, quelles sont les lignes qui vont à tel endroit. On demande juste de la notoriété tarifaire. On a effectivement la grande difficulté. Mais il faut savoir que pour les occasionnels, tout est compliqué. Le territoire, le quartier dans lequel je vais, à Ginko, je n'y étais jamais allé auparavant, ou le bassin à flot, je n'ai plus mes repères. Les lignes qui ont changé de numéro, qui ont changé d'itinéraire, les doubles sens, c'est très compliqué d'utiliser les solutions de mobilité partagée. Donc, il faut vraiment qu'on déroule le tapis rouge. Il n'y a pas de raison que, là, c'est le salon en novembre 2019 de Solutrans qui s'adresse à des spécialistes du transport, à des cadres qui ont tous un smartphone dans la poche. Et quand vous êtes à la gare de la Pardieu, on les prend par la main. On leur dit, mais c'est simple, pour y aller, vous prenez le T3. Puis ensuite, vous prenez, quand vous arriverez à la soie, vous aurez une navette qui vous amène. D'accord? Mais ils ont quoi, les autres? Ben, ils se retrouvent à monter une étagère Billy, qui n'est pas la pire, pour un nombricoleur. C'est à peu près pareil, ils se retrouvent dans cette situation-là. Alors que c'est quand même fou, quand on a un événement prévu, ben on essaie, ben, mais les personnes qui sont occasionnelles et qui, vous l'avez vu, sont les plus nombreuses, ben elles n'ont pas droit. Ben, il faudrait qu'on arrive à trouver l'équivalent de ça. C'est un vrai challenge à relever. Alors, tout à fait en relation avec ce que vous venez de dire sur les deux, trois dernières slides. Bonjour Kioscopie, on parle de la métropole, mais quelle est la place de notre clientèle? Quelle place à notre clientèle hors métropole? Le point de départ de la mobilité est important. L'intermodalité train-bus est très utile, oui. Pardon, très utilisée. Oui. TBM ne devrait-il pas informer en amont dans les, oui, pôles multimodaux hors métropole sur l'état du trafic, les perturbations, etc. Transgironde, SNCF et TBM n'ont-ils pas un travail à faire en cette période, mmh, pour revoir la mobilité plus simple, mutualiser, mmh, l'information, mmh, notamment sur les pôles multimodaux, mmh, et pourquoi pas une tarification unique? Oui, alors ça, c'est toutes des réflexions d'ailleurs qui sont en cours dans le cadre du syndicat mixte qui a été créé au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, hein, qui regroupe, je pense, pas loin de 35 autorités organisatrices, non? En tout cas, pardon, une vingtaine d'autorités organisatrices et qui travaillent sur ces... Mais oui, c'est un enjeu fondamental, on va y revenir juste après. J'ai encore deux fois un quart d'heure, c'est ça? Là, il y aurait cinq minutes pour l'année, ouais, n'est ça. Pas une succession de jours types, ce que nous allons voir maintenant. D'accord, ça va. Ça, c'est le dernier point, hein, toujours pareil. Pas une succession de jours types, ça veut dire qu'on a tendance, qu'on analyse la mobilité historiquement dans notre métier, à prendre une photo à un moment donné. C'est-à-dire qu'on fait une enquête origine-destination dans les bus, on fait une enquête ménage-déplacement, et c'est toujours la même méthode qui a été créée en quelle année? 1966. C'est-à-dire qu'on vous demande les déplacements que vous avez faits la veille. Sauf qu'en 1966, il n'y avait pas 4 millions de demandeurs d'emploi, il y en avait 700 000. Il n'y avait pas 3 millions d'étudiants, il y en avait autour de 500-600 000. Les retraités du baby-boom, ils travaillaient, ils n'étaient pas à la retraite, donc il y avait peu de retraités. On travaillait plutôt dans des usines à des horaires réguliers. Aujourd'hui, si on veut comprendre la mobilité,
On ne peut plus uniquement se contenter de demander la veille. Ce qui va faire le fait qu'on va être capable de créer une des solutions vertueuses de mobilité, c'est si on est capable de répondre à la demande des citoyens et des citoyennes sur une période au moins d'une semaine. Parce que bien évidemment, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, si je suis dans un quartier d'habitat populaire par rapport à un quartier, on va dire, plutôt résidentiel, je vous l'ai dit tout à l'heure, les besoins ne sont pas les mêmes l'été ou pendant les petites vacances scolaires, parce que le taux de départ n'est pas le même. Bien évidemment, si je suis à Rive-d'Arsin, le trafic, alors c'est réel, hein, il augmente de 30% le samedi par rapport à la semaine. Si je suis aux arrêts François Borde, Doyen Bru, Montaigne Montesquieu et Unitec, l'ensemble de ces arrêts-là, ils chutent de 65% le samedi. Alors que là, ça augmente de 30%. Et c'est pareil pour les arrêts spécifiques pour des cinémas, etc. Vous avez les bars de loisirs. Donc, vous voyez bien que la métropole, elle respire différemment selon les types de jours. Et donc, si on veut comprendre la mobilité et apporter des solutions qui sont un peu plus qu'aux humains, il faut qu'on comprenne comment ça bouge, comment les gens enchaînent leurs déplacements au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours d'un mois. En fait, on ne travaille pas sur des séquences isolées. Si on veut empêcher pour construire une mobilité vertueuse que des gens achètent une première voiture ou achètent une deuxième voiture, il faut qu'on soit capable de répondre à leurs besoins de déplacement tout le temps. Donc ça, c'est la fameuse slide que je rappelle. C'est exactement comme un appartement. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je dis souvent. Si je vous propose un appartement et que je vous dis la terrasse, vous n'en avez pas besoin parce qu'il n'y a que 50 jours de soleil par an. Si je vous dis la chambre d'amis, ce n'est pas parce que vous recevez vos parents ou des amis une fois par mois que vous en avez besoin, je vous la supprime. Vous recevez des gens pour le salon, allez, une fois tous les 15 jours, vous n'en avez pas besoin, je vous le supprime. Ou vous en avez un plus petit. Et puis, vous télétravaillez une fois par semaine, vous n'avez pas besoin d'un coin pour le télétravail. Par contre, tout ce dont vous avez besoin tous les jours, tout ce dont vous servez, là où il y a du trafic, hein, là, il y aura un lit, il y aura un téléviseur, il y aura une salle de bain, il y aura des toilettes, il y aura tout ça, ça prend la même valeur, l'appartement. Si on vous donne un appartement où il n'y a que les choses dont vous vous servez souvent, mais il n'y a plus ça, parce que ça ne sert que quelques jours dans l'année, votre appartement, il n'a plus la même valeur. Ben, l'écosystème de mobilité, c'est exactement pareil. Ça, c'est les horaires d'été. Le une fois par mois, la chambre d'amis, ben, c'est le dimanche dans le mois où on a besoin de le prendre. Le une fois tous les 15 jours, c'est le samedi sur deux où j'ai besoin de le prendre. Et le une fois par semaine, ben c'est le une fois où j'ai besoin de me déplacer un peu plus tard le soir. Parce que je rentre d'un TD, je reviens du train, je reviens de voir des amis. Donc cette notion d'avoir une écomobilité, qui est des solutions en tout cas inclusives et qui prennent en compte le rythme des gens sur une longue période, c'est essentiel. Et je passe directement, ça fait deux sailles de moi, monsieur Bergoglio. C'est parfait, mais vous êtes formidable, cher Eric. Et ça rejoint la question secondes. Que vous m'avez posée tout à l'heure. Exactement. Allez, on se donne maintenant un gros quart d'heure pour traiter cette dernière partie de cette seconde étape, l'enjeu de l'interpénétration des territoires. Eh oui, alors la question vient d'être posée, hein. Juste, alors elle tombe à pic, c'est comment on fait, sachant que c'est très très compliqué. Alors d'abord, pour rappeler une chose, on aurait fait des enquêtes régulièrement, alors avec des opérateurs téléphoniques différents d'ailleurs. Hein, en 2018, c'était avec SFR quand vous avez donné des chiffres, et là c'est avec Bouygues, et on tombe sur à peu près les mêmes choses, sur les choses qui sont comparables en termes d'analyse, ce qui est un peu rassurant quand même, je vous dis toujours. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez au niveau du département de la Gironde, donc c'est simple, la Gironde, hein, c'est assez simple, la moitié des habitants ne vivent pas dans la métropole de Bordeaux. Hein, c'est à peu près kiff-kiff, 50-50. Et vous avez ici le nombre des Girondins qui habitent en dehors de la métropole et qui viennent travailler dans la métropole. Donc en gros, ils sont 100 000. Ça, on l'obtient comment? On l'a dans les flux INSEE. Donc c'est une donnée qui existe. C'est 100 000 personnes qui habitent dans l'une des communes extérieures à la métropole et qui déclarent venir travailler à la métropole. C'est peut-être 110 000, c'est peut-être 120 000, mais c'est l'ordre de grandeur. Voyez. Donc ça veut dire que chaque jour, ils sont 80 000. Pourquoi? Parce que quand il y en a 100 000 qui déclarent travailler, les agences d'urbanisme nous disent dans leurs enquêtes spécifiques qu'il y a à peu près 20% des gens qui ne se déplacent pas n'importe quel jour de la semaine. Parce que c'est leur jour de congé, parce qu'ils travaillent à temps partiel, parce qu'ils sont... Voilà. Donc 80 000. Et là, vous avez le nombre de personnes qui se déplacent pour un autre motif. Donc, vous voyez au global que sur un jour, vous avez 120 000 entrées d'habitants de la Gironde sur la métropole.
80 000 a priori pour un motif travail régulier et 40 000 pour un autre motif, dans lequel il peut y avoir un déplacement professionnel. Mais il y a aussi d'autres choses. Mais sur la semaine, c'est 250 000 Girondins qui sont venus au moins une fois. Et sur le mois, c'est 440 000 qui sont venus, donc sur à peu près, je simplifie, 800 000 habitants. Enfin, un peu moins. Mais 440 000 sont venus pour un autre motif, d'accord ? Auquel se rajoutent les 100 000 pour le motif travail qui sont plutôt réguliers. Et ce que l'on voit, c'est qu'en gros, si on prend la couronne des secteurs autour de Bordeaux, ils sont 80% à venir à peu près au moins une fois dans le mois. Hein, c'est-à-dire que si je suis du côté de Blaye, du Puy-en-Médoc, bien sûr de Sestas, etc., ou du début de la vallée de la Garonne, on est à peu près à 80%. Et plus je m'éloigne, plus on se rapproche des 50% qui viennent au moins une fois dans le mois. Donc ça, c'est un premier élément de se dire, n'oublions jamais que là aussi, que la mobilité du département, elle est bien sûr régulièrement faite par des gens qui travaillent, mais pas seulement. Même sur un département, on va dire, on en a 80%, plus de 80% qui viennent pour un autre motif que le motif régulier du travail. Ensuite, faisons attention à la notion d'aire urbaine. Alors, si on prend la COBAS et la COBAN, la communauté d'agglomération du bassin nord-aquitain et du sud-aquitain, on va dire Arcachon d'un côté, Lescap-Ferré, Andernos de l'autre. Quand on regroupe les deux, d'accord ? Alors, l'un des deux fait partie de l'aire urbaine, d'ailleurs, et l'autre pas. Mais on a tendance à penser globalement que tout le monde vient sur Bordeaux. Alors bien sûr, ça fait beaucoup de flux, ils sont 11 000 à venir. Donc 11 000 viennent travailler dans l'agglomération de Bordeaux, donc 4 000 à Bordeaux, 2 500 à Mérignac, 1 500 à Pessac. Voilà. Donc là, ils sont nombreux. Mais il y en a quand même 39% qui travaillent dans leur commune, d'Arcachon à Arcachon, de Mios sur Mios, de Lescap-Ferret à Lescap-Ferret, d'Andernos à Andernos. C'est 4 salariés, 4 habitants sur 10 travaillent dans leur commune. Et vous en avez presque 30% qui travaillent dans une autre commune du bassin. Donc au total, vous avez quand même, et on l'oublie, vous avez 70%, c'est une bêtise ou pas ? Alors c'est ça, près de 70% des personnes du bassin, de ces deux communautés d'agglomération, qui travaillent au sein du bassin. Alors ça ne minimise pas du tout les 11 000 qui viennent à Bordeaux, bien évidemment. Mais c'est simplement pour relativiser, parce qu'on a vite fait de dire, oulala, il y a beaucoup de flux qui viennent, et du coup, ben voilà, tous les Arcachonnais viennent travailler à Bordeaux. On en est quand même loin. Et la notion d'aire urbaine donne toujours l'impression que tout se rabat vers la ville-centre, et c'est lié par le travail et pas seulement. Si on reprend toujours le bassin d'Arcachon vers la métropole de Bordeaux, vous allez retrouver ici les 11 000 de ceux qui travaillent, donc c'est la donnée de l'INSEE. Si on regarde les traces mobiles, donc vous en avez 16 000 au total sur une journée qui viennent. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 5 000 personnes qui viennent pour un autre motif. 42 000 différents sur la semaine. Alors il y a une erreur entre les deux, 42 000. Et 72 000 en tout cas sur le mois. Là, ça doit être 56 000 de mémoire, mais je n'en suis pas sûr. Donc je suis sûr de ça et de celui-là. 72 000 sur le mois. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un habitant sur deux qui vient d'Arcachon sur la métropole de Bordeaux pour un autre motif que le travail régulier, parce que la métropole, elle rayonne pour, bien sûr, plein de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Troisième point, toujours pareil sur le secteur. Alors là, je vous ai rajouté la métropole qui va... Alors je vous ai rajouté, au-delà d'Arcachon, la commune du Porche, qui est dans la communauté de communes de la Médulienne, mais qui est la seule commune du littoral, et puis ensuite de Lacanau-Hourtin jusqu'au Verdon, côte nord-atlantique, je ne sais plus le nom de la communauté d'agglomération. Et en gros, ça veut dire que vous avez sur ce secteur-là 74 000 résidences principales, mais vous avez 53 000 résidences secondaires, pour 16 000 en 68. Et vous voyez, ça a été multiplié par plus de 3 en 50 ans. Vous avez bien sûr 32 000 emplacements de camping, et ainsi de suite. Or, bien évidemment, une résidence secondaire aujourd'hui, elle ne s'occupe pas de la même manière qu'en 68. C'est-à-dire que globalement, en fonction du profil des gens qui l'ont acheté, de la période, de est-ce que je télétravaille, de mon lieu d'habitat, les résidences secondaires, d'après ce que disent certains maires, pas sur le bassin, mais sur la côte normande, disent qu'elles sont proportionnellement beaucoup plus occupées. Mais on n'a pas les statistiques. Donc on va faire prochainement des études là-dessus pour montrer que ça, bien évidemment, leur taux d'occupation, c'est quoi ? Nous, on travaille toujours sur le nombre d'habitants INSEE. Mais en fait, le nombre d'habitants INSEE,
ils sous-estiment le nombre de personnes qui vont être là le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, y compris en hiver, pour montrer justement l'attraction de ces pôles-là. Donc voilà, c'était juste un rappel pour dire qu'on se penche aussi là-dessus. Il y avait une demande de précision là, qui vient d'arriver. Alors, comme on a un petit décalage entre la diffusion et notre direct ici, ça concernait, quand vous parliez des déplacements sur le département de la Gironde, entre motifs travail et autres motifs, c'était la question qui était les autres motifs de déplacement. Est-ce que vous les avez identifiés? Alors oui. Alors, dans les traces mobiles, on ne peut pas les identifier. Par contre, on a fait des enquêtes à côté, alors pas que spécifiques à Bordeaux, mais sur plusieurs métropoles, où on se rend compte que les déplacements affinitaires sont très importants. C'est-à-dire que je viens voir des amis, de la famille, des collègues, enfin voilà. Ensuite, plus on est proche, donc dans la Gironde, c'est les déplacements qui prennent de l'importance pour aller en ville, c'est-à-dire pour faire des courses, pour aller dans des enseignes commerciales qui ne se trouvent pas ailleurs, pour des équipements hospitaliers, pour le plaisir de se balader en ville qu'on vit toujours, pour des spectacles, etc. Il y a une multitude de motifs qu'on sous-estime complètement pour venir en ville. Alors là, je n'ai pas les pourcentages en tête, je dirais des bêtises, mais je peux les donner après la répartition. J'ai un slide qui va le montrer un peu. Toujours pour montrer l'importance de l'abolition des frontières entre la métropole et leur métropole, comment on va faire en sorte que les gens passent de l'un à l'autre, c'est rappeler que si vous prenez le territoire de l'aire urbaine de Bordeaux en 1968, sur la même définition que l'aire urbaine de 2020. Donc vous comparez le même territoire. Il y a 500 000 habitants supplémentaires qui habitent dans ce qu'on appelle l'aire urbaine, d'accord ? 500 000 habitants de plus. La moitié de ces habitants sont venus, enfin, ont trouvé à se loger dans la métropole de Bordeaux et l'autre moitié en dehors de la métropole de Bordeaux. Voilà. Et à Bordeaux même, c'est ça qui est incroyable, c'est que malgré la construction de 40 000 logements entre 68 et 2018, Bordeaux n'a toujours pas retrouvé, comme Lyon d'ailleurs, c'est pareil, n'a toujours pas retrouvé le niveau d'habitat qu'il y avait, le niveau d'habitants, excusez-moi, qu'il y avait en 1968, parce que ça n'a pas suffi à enrayer l'impact de ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait de moins en moins d'habitants par logement. Et donc du coup, vous voyez, c'est 500 000 habitants supplémentaires qui sont venus par l'attractivité de la métropole, mais ils ont trouvé à loger dans les communes de la première couronne. Alors c'est d'abord le Mont-Cernon, l'Ormont-Senon, Floirac, Talence, Bègles, Mérignac, Pessac, etc. Isigny-Buge, Bruges et le Bouscat. Donc 124 000 habitants de plus ici, 125 000 dans les communes de deuxième couronne au sein de la métropole. Et puis je vous ai dit, quand vous additionnez ça, vous êtes à peine à la moitié de ce qui a été dans les communes dites périurbaines en dehors de la métropole de Bordeaux. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est ce qui se passe sur l'aire urbaine. Mais en même temps, l'aire urbaine, elle est insuffisante pour parler du rayonnement de la ville. Et ça rejoint, Stéphane, la question que vous posiez sur les motifs de déplacement. Dire qu'une aire urbaine, c'est beaucoup trop large pour parler de ville. Parce que quand vous êtes dans la commune du Temple ou quand vous êtes dans une commune ici à proximité de Saint-Laurent-du-Médoc, vous n'avez pas l'impression d'être vraiment dans une ville. Ce n'est pas une ville. Enfin, quand j'habite à Sainte-Hélène, je ne suis pas dans une ville. Donc c'est trop grand pour parler d'une ville, mais c'est bien trop petit pour parler de l'aire d'influence de la métropole de Bordeaux au quotidien. C'est-à-dire que si vous prenez, en gros, l'aire d'attraction quotidienne, elle pourrait être, si on dit, par exemple, c'est une heure et demie de voiture et que chacun dans cette zone-là, c'est la métropole de Bordeaux qui l'emporte sur n'importe quelle autre métropole qui se trouve autour. Ben, globalement, vous avez à peu près 2 millions d'habitants en dehors de la métropole qui, quelque part, sont, pas convergents, mais qui, en quelque part, sont attirés par la métropole de Bordeaux. Et c'est ça l'aire de rayonnement quotidien. Ce sont des gens qui habitent dans le nord des Landes, des gens du Lot-et-Garonne. Il y a 20% des habitants du Lot-et-Garonne qui viennent une fois dans le mois dans la métropole de Bordeaux. Ils sont 17% des Landes, 17% de la Dordogne. Ils sont un peu moins en Charente-Maritime, en Charente, parce qu'historiquement, on peut penser qu'il y a peut-être la rupture régionale, alors qu'ils sont 10% des Pyrénées-Atlantiques, où c'est un peu plus éloigné. Mais donc, on voit bien globalement que c'est quand même 2 millions d'habitants qui vivent en Gironde, hors de la Bordeaux-Métropole,
dans l'arrondissement de Jonzac et de Saintes, de Cognac et d'Angoulême, de Périgueux-Bergerac, Lot-et-Garonne et puis l'arrondissement de Mont-de-Marsan. Et ils viennent pour tous ces motifs-là, Stéphane. C'est-à-dire que ces motifs, alors le poids est à peu près proportionnel à ce qu'on avait dans les enquêtes, c'est-à-dire que c'est beaucoup visite famille amis, démarches médicales, shopping, concerts, faire visiter la ville à des amis qui viennent me rendre visite, etc. Sans oublier quelque chose qu'on ne peut pas mesurer hein, en termes d'indicateurs, qui sont le plaisir de me retrouver en ville. Et qui est un petit peu contraint en ce moment. Alors, qui est contraint en ce moment, mais ça va peut-être à nouveau réexister après, c'est-à-dire que dans les choses, vous m'avez manqué. C'est-à-dire que ça m'a manqué de ne pas venir dans les rues de Bordeaux, me promener, voir des gens, etc., plutôt que de rester dans ma ville où je suis bien, mais qui est trop petite. Et donc, voyez, alors, pour prendre juste un exemple, voilà le type d'analyse qu'on fait. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait comprendre les déplacements sur une semaine. Alors, voilà le type d'enquête que l'on fait sur plein de motifs. Et vous avez ici le nombre de citoyens français qui se déplacent. La barre bleue, c'est qu'ils se déplacent pour une démarche médicale hors pharmacie par jour. Donc, si vous prenez le mercredi, vous avez à peu près 7% des Français qui se sont déplacés pour une démarche médicale. Si vous regardez, si vous raisonnez en déplacement, ça fait moins, 3%. Mais en nombre de Français, c'est ça qui est intéressant. Et Françaises concernées, c'est 7. Et sur la semaine, parce que c'est comme le renouvellement le soir dans les bus, hein. Si vous allez voir un médecin le mardi, il y a peu de chances que vous allez voir le mercredi le médecin, et le mercredi un oncologue, et le jeu vendredi un dentiste, et le samedi un kiné. Voilà, donc il y a peu de renouvellement, le renouvellement il est très fort. Et donc ça veut dire qu'au total sur la semaine, vous avez 28% des Français et des Françaises qui se sont rendus une fois dans un équipement médical. Donc c'est très important. Et donc, pour tous les motifs, c'est un peu pareil pour le cinéma. Et donc, on essaye un peu de comprendre ça. Et donc, ça veut dire qu'on essaye de faire des cartes de, on va dire, de poupées russes, d'emboîtement, de mesure de l'intensité, on va dire, des équipements par thème et de leur complémentarité. Et de voir un peu quel est le chef de file, c'est-à-dire comment les poupées s'emboîtent de bassin de vie en bassin de vie, comment les bassins de vie se complètent et comment ça remonte jusqu'à Bordeaux. Donc, dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a 3 CHU, Bordeaux, Limoges, Poitiers. C'est le, si je prends la médecine, puisque ça, c'est une carte de médecine. Et après, les couleurs ici reflètent le type d'équipement. Donc, si je prends Bazas, par exemple, qui est dans cette couleur-là, qui est un rang, il y a un hôpital. Donc, si vous regardez les stats de l'INSEE, il y a un hôpital, au même titre qu'à Créon. À la Réole, pardon. À la Réole. Sauf qu'à la Réole, vous avez un hôpital où vous avez des lits d'obstétrique, de chirurgie et de médecine. À Bazas, il y a une 20aine de lits, mais ils ne sont qu'en médecine. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça se complète. C'est typiquement deux bassins de vie qui se complètent. Les couleurs ici reflètent le nombre de spécialistes, le nombre de spécialités. Et donc, vous voyez un peu l'empilement. Et vous avez le maximum atteint sur Bordeaux parce que c'est le CHU et qu'il y a une concentration d'équipements. Donc, ça, c'est juste un exemple que l'on vous montre ici pour la carte de santé, où les couleurs traduisent en quelque sorte le rang de chaque commune qui a des équipements, et pour montrer comment elles se complètent entre elles, et comment au final, la métropole, elle rayonne. Donc vous l'avez sur les loisirs, sur les équipements commerciaux, alors là où se trouve, je dis n'importe quoi, mais je ne veux pas faire de publicité, mais les IKEA, il y en a très peu dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et on sait bien que c'est un déterminant important. Vous allez dans une ville qui n'a pas d'IKEA, on était avec François du côté d'Antibes, vous pouvez savoir la réaction des gens qui nous ont dit « on va avoir un IKEA qui va s'installer, on ne sera plus obligé d'aller à Toulon, on l'aura là pour nous, dans le secteur de Nice ». Donc voilà, c'est ces éléments-là qui font l'attractivité d'une métropole et qu'on essaye un peu de comprendre de cette manière-là. Et alors, pour terminer là-dessus, parce que je suis déjà… Non, vous êtes pile poil. Pile poil, merci Stéphane. C'est de montrer qu'effectivement, on est des attirances multiples au départ d'une ville moyenne. Donc, vous voyez, si on prend par exemple Saintes, ou ici, on va prendre historiquement la ville de Dax, qui est quand même relativement éloignée de Bordeaux. Et vous avez ici deux chiffres. Ce sont le nombre de personnes qui viennent, le premier chiffre à la semaine, et le deuxième chiffre au mois. C'est-à-dire qu'ici, de Dax, j'ai 10 000 habitants du secteur, de la communauté d'agglomération, qui viennent sur Bordeaux dans le mois. Deux fois plus que ceux qui vont à Pau, qui est plus proche, qui est normalement un peu le... Mais ils sont beaucoup plus nombreux à aller
sur le secteur anglais Biarritz. Et alors, on a interrogé les gens du Sud-Land avec des sociologues pour savoir pourquoi. Et en fait, ils nous disent quoi? Ils nous disent Bordeaux, c'est la ville lumière, comme Lyon. Exact, tout à l'heure, j'en ai parlé. C'est-à-dire, globalement, c'est les villes, elles écrasent tout le reste parce qu'elles ont une telle notoriété, une telle attractivité, il y a une telle requalification qu'elles attirent tout le monde. Mais ensuite, ben, il peut y avoir quand même des villes qui sont plus proches, ou notamment comme Bayonne-Anglais-Biarritz, qui a moins d'équipement, mais qui est proche du littoral, qui est proche et qu'en même temps qu'à la mer et donc qui est jolie. Donc c'est un peu compliqué. Et puis vous avez ici Saintes, et vous voyez que vous avez, ou Saintes, et Bordeaux fait presque jeu égal avec La Rochelle au moins, alors que La Rochelle est beaucoup plus proche que Bordeaux. Et on voit aussi la frontière géographique. C'est-à-dire que si vous prenez la ville de Tarbes, qui, elle, est en Occitanie et qui a toujours été avant Midi-Pyrénées, ben Tarbes, l'attirance, alors qu'il y a relativement peu de différence en kilomètres entre Toulouse et Bordeaux, mais Tarbes est massivement intéressée. Enfin, il y a beaucoup plus de Tarbais qui vont en direction de Toulouse que de Bordeaux, mais beaucoup plus. Mais celle qui attire le plus, c'est Pau, pour les habitants de Tarbes. Voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de cette multiplicité des flux, avec quelque chose qu'on oublie. C'est que les métropoles, elles attirent, elles rayonnent, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a souvent autant de flux de ce qu'on observe dans les traces mobiles entre Périgueux et Bordeaux que de Bordelais qui vont à Périgueux. Il y a quasiment autant de flux. Il y a 18 000 Palois qui viennent sur le mois à Bordeaux, mais il y a 15 000 Bordelais qui vont à Pau au cours du mois. Donc c'est important de se dire attention. On voit beaucoup les flux qui arrivent et qui sont concentrés, mais aussi des flux quasiment aussi importants sur presque toutes les destinations qui ne sont pas des destinations touristiques. Je ne vous ai pas mis le bassin d'Arcachon ou Royan, mais voilà, il y a des flux aussi importants dans l'autre sens bien souvent. Alors Eric, des questions arrivées par SMS avant qu'on en prenne peut-être ici dans la salle. Comment les autorités organisatrices et les transporteurs prennent-ils en compte vos chiffres et analyses? C'est-à-dire, en gros, tout ce que vous venez de dire, à quoi ça sert? Ben, l'idée, c'est de mettre ça au service des collectivités, y compris de nous, puisqu'il y a certains de ces chiffres-là qui sont très récents, donc d'essayer de les mettre à disposition, de les partager, et justement de voir comment on peut bâtir des solutions qui permettent cet effacement de frontières et d'éviter le raisonnement en se disant « il n'y a que la métropole qui attire », plutôt des réguliers, de bien montrer que ce ne sont pas que des pendulaires, même si ce qu'on appelle les pendulaires, on l'a vu, c'est quand même important. Mais quand je vous dis qu'il y a 20% de la population du Lot-et-Garonne qui viennent sur la métropole en un mois, ça fait 70 000 personnes. Et ils sont 2 000 à venir pour le travail. Donc ça, c'est des éléments qu'on met à disposition pour aider justement à construire des solutions inclusives, c'est-à-dire au plus grand nombre de personnes concernées, et pas seulement pour un motif, mais en tenant compte de cette diversité de motifs et de cette diversité de motifs de déplacement. D'accord. Je rebondis sur le pendulaire important et ensuite tu passes la parole à Pierrick. Je crois que vous allez réagir. Pour la conclusion, on a encore le temps alors. On a encore un petit peu de temps. Les pendulaires importants, vous le disiez à l'instant. Petite remarque, on parle beaucoup des singularités, des occasionnels, mais n'oublie-t-on pas un peu trop nos réguliers des transports en commun, des personnes parfois contraintes par leur emploi, leur fragilité ou leur motorisation, d'utiliser nos réseaux de transport. C'est notre socle de clientèle et peut-être pas la plus entendue en ces temps où s'annonce, ouvrez les guillemets, le grand bouleversement des modes de vie. Alors, oui, la question soulève quelque chose que j'ai traité. J'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait réintroduire de l'équité et pas de l'égalité. C'est-à-dire que dans un quartier de 10 000 habitants, où il y a 40% de ménages qui n'ont pas de voiture, ils sont traités différemment, j'ai dit tout à l'heure, qu'un quartier de 10 000 habitants, où il y a 60% des gens qui ont deux voitures. Parce que le soir, le dimanche, le samedi, l'été et les vacances scolaires, leur demande va être très forte. Pour beaucoup d'entre eux, ils ne peuvent pas faire facilement autrement que de prendre le transport public. Alors, ils n'ont pas de voiture ou ils ont une voiture, mais ils ne peuvent plus s'en servir parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ont un traitement médicamenteux, etc. Oui, tout ça est à prendre en compte, bien sûr. Et qu'il faut, si on veut construire une mobilité vertueuse, c'est important d'offrir le choix aux gens de ne pas avoir de voiture. Ça, c'est évident. D'accord. Alors, et c'est au cœur des fragilités, mais dans tout le discours, il me semble l'avoir évoqué, peut-être pas assez. Mais d'accord. Non, mais il y a des choses, comme on a un petit peu de décalage aussi entre ce que vous dites. Et pour les pendulaires, pour les pendulaires, bien sûr que les pendulaires, c'est important, mais ce n'est pas parce que je fais partie des 100 000 Girondins qui travaillent à Bordeaux Métropole que j'arrive à 7h30 le matin, que je repars à 17h et que c'est tous les jours toujours le même phénomène. Parce que si je travaille
si je suis, ce que je disais, ingénieur et que je termine à 21h, si je fais travail dans les sociétés de nettoyage ou gardiennage, je n'ai pas des horaires réguliers. Donc, s'occuper des pendulaires, c'est s'occuper d'abord des rythmes désynchronisés aussi, des gens qui ont des rythmes de travail qui ne sont pas réguliers et qui sont avec des heures diverses, y compris avec des gens d'ailleurs qui, au dernier moment, on peut leur dire « Hey, là, ton collègue qui n'est pas là, est-ce que tu peux faire une heure plus ?» Il y a des entreprises, je suis désolé, hein, où vous n'avez pas le taureau, la possibilité de discuter sur quand on vous demande de faire une heure plus pour terminer le service. Quoi. D'accord. Alors, une question autour de la décohabitation. D'ailleurs, un terme que le traitement de texte ne connaît pas. Parce que si je vous lis exactement ce qui est écrit, je pense qu'on ne comprend même plus le mot. Donc, la décohabitation, c'est aussi l'étalement urbain très fort. Bordeaux Métropole, même superficie que Lyon, mais deux fois moins d'habitants. C'est aussi là peut-être une explication aux encombrements. Point d'interrogation. Alors, la décohabitation, c'est un phénomène national. C'est-à-dire que, globalement, depuis à peu près 50 ans, le nombre d'habitants par logement ne cesse de baisser. Il était, on va dire, pour simplifier, hein, de 3 personnes par logement. Prenez pas le chiffre à la lettre, mais c'est autour de 3. Et il passe facilement autour de 2,2, voire en dessous de 2 dans certains corps de ville. Donc là, même en construisant des logements, quelque part, on n'arrive pas toujours, les collectivités n'arrivent pas toujours à freiner cette érosion. Donc Bordeaux, qui perdait beaucoup de population de 78 jusqu'à à peu près au recensement de 99, même un peu avant, maintenant est sur une tendance croissante pour justement offrir la possibilité d'accueillir un peu plus d'habitants sur le sol. Mais après, c'est difficile pour les collectivités parce qu'on peut sortir à des problèmes d'acceptation sociale par des riverains ou par des habitants de ce qu'on appelle la densité, qui est un vilain mot maintenant des surfaces, quoi. Est-ce qu'on a des questions, des remarques dans la salle ici? Non, donc on va passer à la dernière séquence, dernier quart d'heure de présentation autour du défi de la longévité et du développement des fragilités invisibles. Oui, alors c'est un défi parce que, si vous voulez, le défi de la transition démographique, il est fondamental. Pourquoi? Parce que de temps en temps, la crise du Covid, vous vous en souviendrez dans 10 ans, c'est 2020. La crise du pétrole, pour moi qui l'ai connue, même si j'étais gamin, je me souviens, c'était 73. Ceux qui ont connu les 35 heures se souviennent de la loi. C'est-à-dire qu'il y a des dates comme ça qui sont connues. La transition démographique, c'est comme la périurbanisation. C'est des phénomènes qui durent sur très longtemps. Donc on ne les voit pas venir. Il n'y a pas tout d'un coup plein de personnes âgées dans la rue. Ça se fait année par année. Et de deux manières différentes. Et donc, il va falloir apprendre à vivre avec la pluralité des retraités. La première chose, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a eu la fin des classes creuses qui ont été enregistrées au moment de la Première Guerre mondiale. Ça veut dire qu'à partir de 2005, à peu près, vous avez vu des gens très âgés qui ont commencé à augmenter de manière plus importante. C'est-à-dire que si je suis né en 1920, donc juste à la fin des classes creuses, je fais pour la facilité de calcul, hein, Frédéric, voilà. Ça veut dire qu'en 2010, j'avais 90 ans, en 2005, j'avais 85 ans. Donc là, on a eu un coup de booster sur les plus de 85 ans à ce moment-là, plus les progrès de la médecine. C'est-à-dire que globalement, entre 2000 et 2020, l'espérance de vie des hommes et des femmes s'est améliorée de plus de 3 ans. Alors un peu plus pour les hommes que pour les femmes au passage. Mais les hommes partaient de plus bas. Donc ça, c'était le premier phénomène. Et puis, vous avez eu depuis 10 ans l'arrivée des baby-boomers. Donc suite à la libération, en 44 pour Bordeaux, comme beaucoup de villes de France, hop, il y a eu des naissances en plus. Mais ces naissances, elles sont restées quasiment au même niveau jusqu'au milieu, au début des années 70. Et donc ces baby-boomers, les 10 dernières années, ils ont permis de faire augmenter considérablement les gens de 65 à 75 ans. Et là, les plus âgés des baby-boomers ont aujourd'hui 75 ans. Et donc, ça veut dire que dans les prochaines années, nous allons avoir, en tout cas, les 75-85 ans qui vont augmenter de l'ordre de 40 à 45 %. Et dans le même temps, les collégiens et lycéens vont diminuer parce qu'il y a eu moins de naissances. Donc, on va être dans une société où, de plus en plus, il va y avoir un déséquilibre entre les personnes de plus de 75 ans et les collégiens et lycéens. Ça, c'est à peu près les chiffres sur la métropole de Bordeaux. C'est à peu près représentatif de ce qui se passe en France, en moyenne France. C'est-à-dire que vous avez à peu près plus de 60 000 personnes de plus de 75 ans. Donc ça va augmenter au cours des prochaines années. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans.
vous serez ici sans doute à 85 000 minimum. Et là, vous serez, alors peut-être au même niveau, parce que c'est, la métropole de Bordeaux est une ville attractive, donc il y a beaucoup de familles qui arrivent avec des enfants, mais vous n'aurez pas beaucoup bougé. Mais en tout cas, en France, ça va beaucoup plus déséquilibrer. Alors là, c'est la métropole de Bordeaux, hein. Si vous allez dans un bourg comme Bazas, qui fait 4500 habitants, ou même la sous-préfecture de Langon, vous êtes à deux fois plus de personnes de plus de 75 ans que les jeunes lycéens. C'est ça la transition démographique. On atteint aujourd'hui un nombre très important. Alors ce qu'il faut faire, c'est surtout pas les regarder de la même manière. C'est-à-dire que les retraités, ça dépend de plein de choses. Est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis en couple? Est-ce que j'ai des enfants, pas d'enfants? Est-ce que je suis proche d'eux? Est-ce que je suis inséré dans mon milieu familial? Est-ce que je regrette de ne pas avoir déménagé à temps et que maintenant je suis prisonnier et que j'ai plus la force de bouger alors que j'aurais dû déménager plus tôt? Est-ce que je suis dans un lieu de vie qui me plaît? Tout ça, c'est des situations individuelles qui sont importantes et qu'il faut prendre en compte. Puis après, il y a l'effet génération, parce que bien évidemment, quand vous êtes à la retraite aujourd'hui, il vous reste plus de temps à vivre que de la crèche à la 8e année de médecine. Bon, ça, c'est une photo avant le Covid. Hein. Mais donc il y a autant de temps à vivre. Et on ne peut pas parler des retraités de la même manière. Et qu'on ne peut pas, il faut impérativement que nous prenions l'habitude de ne pas considérer que c'est une population à part entière, mais qu'il faut la comprendre dans sa diversité. Hein. Donc toujours pareil, hein, je veux dire, je rappelle toujours, mais quelqu'un qui a 90 ans aujourd'hui et qui est né en 1930, d'abord, c'est quelqu'un qui est sorti du système scolaire, il y a de fortes chances, à 14 ans. Donc, qui a commencé à travailler à 14 ans et qui, si j'étais une femme, n'a pu se marier que quand elle avait 33 ans, qui a pu travailler sans l'autorisation de son mari quand elle avait 33 ans. C'est très différent des gens qui sont nés 10 ans après, en 1940, et qui, eux, par contre, ont connu, s'ils étaient un homme, les 2 ans de contingent pendant la guerre d'Algérie. Alors en même temps, c'était le début de la libéralisation de la société, yéyé, rock, etc. Et 10 ans après, j'ai connu la période où la jeunesse a renversé la table, qu'on a dit mai 68, et où, voilà, où des personnes, je veux dire aujourd'hui, qui sont en plein dans la retraite, ne se considèrent surtout pas avec les mêmes yeux que les gens d'avant. C'est-à-dire que c'est une génération différente et on ne peut plus aujourd'hui s'adresser à eux de la même manière. Donc, il faut savoir que c'est important alors de se dire que là, c'est un sociologue avec lequel on travaille, hein, Nicolas Monet, qui dit une personne qui avance en âge, c'est une personne qui continue à être ce qu'elle a toujours été. C'est-à-dire qu'arrêtons l'essentialisation, arrêtons de réduire les gens en disant c'est une personne âgée. C'est une personne âgée qui a pu être patineuse artistique, qui a pu être rugbyman, qui a pu aimer l'opéra, qui a pu aimer le hard rock, aller voir des concerts où on s'est défoncé dans les années 60, etc. C'est tout ça. Et les gens sont une continuité, on ne peut pas les résumer uniquement à ce qu'ils sont à un moment donné. Donc attention à l'infantilisation, attention à ça. Et puis quelqu'un qui a 70 ans, ce n'est pas un vieux aujourd'hui, ce n'est pas un vieux. D'ailleurs, ce n'est tellement pas un vieux que les gens qui ont 75 ans aujourd'hui, ils considèrent qu'ils ont 60 ans. C'est une étude que lit le magazine Notre Temps sur 4500 personnes, donc robuste. Et qui montre en fait que globalement, on se perçoit comme étant 15 ans de moins. Pourquoi ? Parce que la vision que les gens de 75 ans ont, c'est celle de la génération de leurs parents, qui étaient avec d'autres habitudes, d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres appétences musicales, peut-être Yvette Horner et que maintenant ils aiment Marianne Faithfull. C'est cette génération-là, hein, ou Tina Turner. Donc ça change un peu des flonflons musettes, quoi. Mais c'est ça aussi, de se dire, mais non, mais je ne ressens pas quelqu'un de 75 ans. Moi, je me sens comme quelqu'un de 60 ans. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que ça change beaucoup de choses. Alors, d'ailleurs, une chose qui change, ça c'est ce travail qu'on a fait avec l'Agence d'urbanisme de Strasbourg. Donc une enquête ménage et placement en 2009, une enquête ménage et placement en 2019. D'accord ? 10 ans d'écart. Donc qu'est-ce qui se passe ? La courbe rouge, c'est la mobilité en 2019. La courbe bleue, c'est la mobilité en 2009. Ici, vous avez l'âge. Et ici, vous avez le nombre de déplacements. Si j'ai 75 ans aujourd'hui, en 2019, je fais un nombre de déplacements qui est identique à celui que je faisais 10 ans plus tôt. C'est-à-dire que quand on voit une courbe, on se dit, oh là là, la mobilité ne cesse de baisser. Mais pour un individu, la mobilité que j'avais en 2009, elle est la même 10 ans après à 75 ans. Et c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire qu'on est sur, je veux dire, un marché de déplacement ou des besoins de déplacement qui se développent parce que les gens sont de plus en plus nombreux, et en plus la mobilité individuelle se développe.
par rapport à la génération d'avant. Et on l'oublie totalement. Et vous voyez, il n'y a qu'à partir de 80 ans, la courbe rouge est légèrement inférieure, c'est-à-dire qu'à cet âge-là, la courbe verte ici, c'est la courbe bleue qui est décalée de 10 ans. Donc ça veut dire que globalement, si j'ai 80 ans, je me déplace un peu moins que ce que je me déplaçais 10 ans avant, mais je me déplace beaucoup plus que ceux qui avaient le même âge 10 ans plus tôt. Hein, puisque j'avais en gros, je me déplaçais à 2 déplacements quand j'avais 80 ans en 2009, et je me déplace aujourd'hui à 2,6 déplacements par jour. Donc vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi d'autres problèmes. C'est-à-dire que notamment, dans le... Je vais peut-être sauter les deux prochaines vidéos là. Hein. D'accord. Oui, mais bien évidemment, il y a un effet de sénescence qui est le vieillissement du corps progressif. Voilà, alors ça peut être l'audition, la vision, les articulations, la tonicité, la fatigabilité. Mais ça ne touche pas les mêmes personnes de manière identique. Donc, on ne peut pas résumer l'avancée en âge. Voilà. Il y a un peu plus de maladies, l'excessus, que quand vous êtes entre 55 et 65 ans, vous avez un quart d'entre vous, enfin un quart d'entre nous, qui sommes dans le protocole des affections longue durée. Quand vous avez entre 65 et 75, c'est 35%. Et à plus de 75 ans, c'est la moitié des gens qui sont dans le protocole des affections de longue durée. Donc globalement, l'avancée en âge se traduit en moyenne, mais la moyenne, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui pètent la santé à 85 ans et d'autres qui sont très fatigués ou malades à 55 ou 60 ans. Donc ça n'a... là, je ne veux pas tout dire. Mais en moyenne, c'est sûr que les difficultés se... Alors, je vais voir si je peux passer directement. Ouais, voilà. Alors, on a eu un petit commentaire. Merci Eric Charréron de nous avoir tous rajeunis de 15 ans. Donc, je vous passe juste ce petit film parce que notre objectif essentiel, c'est de se dire qu'avant la dépendance, il faut qu'on lutte pour que les personnes puissent se sentir bien dans la vie. Donc, c'est le sociologue qui nous a accompagnés. Sur une période longue, en fait, de 30 ans, par exemple, vous allez petit à petit avoir des renoncements au quotidien. Donc, par exemple, vous allez avoir de l'arthrose au genou, ça va devenir compliqué d'aller faire ses courses à pied. Donc, vous allez plus y aller moins souvent. Vous allez vous fatiguer plus rapidement, donc vous allez sortir moins. Petit à petit, c'est la suite des renoncements. Ce qui fait que, par exemple, à un moment donné, vous avez un pavillon avec un jardin, puis vous allez moins vous occuper du jardin, puis moins vous occuper de la maison. C'est une succession de renoncements. On renonce et petit à petit, on ne veut plus retourner en arrière. La déprise est souvent liée à la dépression des personnes âgées, à la difficulté en fait, de surmonter certaines maladies chroniques. Et elle a des conséquences assez graves en fait, sur un vieillissement qui du coup devient négatif. De prendre les transports est un accélérateur de déprise. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué parfois, d'utiliser des transports en commun que ça va renforcer l'isolement des personnes âgées. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Comment ne pas être un accélérateur de déprise? Comment faire en sorte qu'on a un énorme chantier devant nous avant la dépendance? Comment on repousse la dépendance et comment on incite les gens à utiliser les mobilités partagées avant qu'ils soient contraints d'abandonner leur voiture par la force, par le traitement? Comment on leur donne cette envie-là et comment on va permettre de contribuer à une ville inclusive dans laquelle les aînés ont toute leur place et peuvent bénéficier des petits bonheurs qui font la vie, c'est-à-dire de pouvoir continuer à bénéficier de la ville de leur quartier, prendre le soleil sur un banc, aller faire un tour en ville s'ils en ont envie, etc. Donc une ville empathique, bienveillante, à l'écoute, on a un rôle essentiel à jouer. Et c'est complété, là je passerai juste un film pour terminer. Je termine par, on est dans une société du progrès de la médecine. C'est-à-dire que, je le dis crûment, mais avant on ne pouvait pas traiter un certain nombre de pathologies, maintenant on peut les traiter. Et ce qui veut dire que vous avez de plus en plus de personnes pour qui ça ne se voit pas, mais qui sont en situation de fragilité. Donc si vous prenez le département de la Gironde, d'accord, vous avez 19% des adultes qui sont dans la population de plus de 15 ans, qui sont dans le dispositif des affections de longue durée. Une personne sur cinq, ça ne se voit pas. Vous êtes tumeur maligne, enfin cancer, on va dire, essentiellement, des maladies cardiaques et coronaires ou du diabète, ça ne se voit pas. Et donc, comme ça ne se voit pas, c'est très, très difficile à comprendre. Et ça, ce ne sont que les affections de longue durée. Si vous rajoutez à ça
je veux dire, toutes les personnes qui ont des pathologies, on va dire, qui ne sont pas dans ce protocole-là, mais ou des difficultés, mais qui ont un impact sur le déplacement, c'est-à-dire le besoin d'aller aux toilettes, le mal de dos, quand vous êtes enceinte ou que vous êtes, vous êtes victime d'endométriose ou que vous craignez la canicule, tout ça, ce sont des empêchements forts, des entraves à la mobilité qu'il faudra que de plus en plus on prenne en compte. C'est-à-dire que cette montée de la fatigabilité, elle est essentielle pour que les gens puissent se déplacer, c'est-à-dire des villes avec des bancs, des trottoirs avec des bancs. Et vous allez voir, alors là, je ne pourrais pas vous montrer, je vais vous en montrer qu'un de petits films, ce qui les fédère tous, c'est ce besoin d'avoir des places assises, d'avoir du confort. Voilà. On doit passer d'un raisonnement qui était plus quantitatif à tout cas un raisonnement qui est de plus en plus qualitatif, mais pas dans les mots, dans les faits. Et en traitant la fragilité invisible, ça veut dire que demain, ce n'est pas le tout d'abaisser le seuil des trottoirs, ça veut dire mettre des bancs. Le seuil des trottoirs, c'est vachement bien. Mais c'est bien pour les personnes dont ça a été fait pour les fragilités qui se voient. C'est-à-dire qu'on a pensé, heureusement, aux fauteuils roulants, aux parents avec poussette, avec où j'ai une valise, etc. Mais les bancs qui sont là pour répondre à la fatigabilité qui, elle, est très prégnante, on les a un peu moins intégrés, en tout cas selon les endroits. Donc ça, c'est vraiment... Et là, je vais juste vous montrer un exemple de témoignage. Alors, je ne sais pas si je peux passer... C'est que je vais être le premier film. C'est le premier qui passe, non? Et logiquement, c'est le premier qui traite de cette nécessité de pouvoir s'asseoir. Non, je peux encore passer. C'est pas celui-là que je voulais. Excusez-moi, mais c'est pour juste pour vous donner. Puis tant pis, je vais le laisser sur celui-là. Je profite pour poser une question côté régie et organisation. Y aura-t-il un replay ? Oui. D'accord. Donc on donnera un lien pour le replay, c'est ça ? D'accord. Alors, je suis atteinte d'endométriose profonde. C'est une maladie gynécologique très handicapante. Très invalidante. Ça a commencé dans un premier temps en période de règles. Maintenant, je souffre également en dehors des règles. On a l'impression qu'on vous implante des couteaux au niveau des ovaires et qu'on les retire. Et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est l'enfer. J'ai plus de vie. Je dis handicap parce que quand vous avez des douleurs qui dépassent les 8, 9, 10 et que vous ne pouvez presque rien faire, je ne sais pas comment on peut qualifier ça autrement. Ce qui me gêne le plus par rapport à ma maladie, lorsque je suis obligée de me déplacer et que je suis douloureuse, forcément, c'est le manque de place. Je vais me retrouver parfois debout alors que j'ai beaucoup de mal à tenir debout. Et il est très difficile de pouvoir s'asseoir. On vit dans une société très égoïste, donc vous êtes douloureuse, tant pis pour vous. À ce niveau-là, je vais toujours me positionner le long du mur, donc je vais me protéger. Pour essayer de ne pas être bousculé. Voilà. Ça, c'est juste un petit bout, il y en a d'autres de témoignages. Et en fait, ils sont tous sur la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'en parler. Les gens découvrent leur fragilité, alors par pudeur, par honte, ben voilà, peu importe, par estime de soi. On n'a pas envie nécessairement d'en parler. Et en fait, ce qui est, c'est vraiment ça l'essentiel, c'est que le côté fédérateur, c'est que c'est des fragilités invisibles. Invisible, c'est-à-dire que ça ne se voit pas, la personne qui témoigne pour son problème cardiaque, pour le cancer, pour la lombalgie, pour les céphalées, c'est invisible, donc elles sont silencieuses. Alors, personne qui a des céphalées, elle dit, mais moi, comment voulez-vous que j'explique ça? Si j'ai des migraines en dessous de moi, si j'ai des céphalées, on dit, c'est quoi ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, je ne peux pas prendre des transports publics, c'est une horreur. C'est une horreur, je ne sais pas quand ça qu'il y a du monde, etc. Et ce qui revient tout le temps, c'est connaître quand il y a du monde, pouvoir être assis, pouvoir se reposer. Que la personne qui soit cardiaque, elle est à Bordeaux, elle dit, ben voilà, là, il y a trop de monde dans le tram. Voilà. Et s'il n'y a pas de banc, ben, je rentre chez moi. Et s'il n'y a pas de banc, je rentre chez moi et je renonce au déplacement. Et en fait, vous voyez le nombre de personnes qui sont concernées. Donc, c'est invisible, c'est silencieux parce que la personne qui est cardiaque à Bordeaux, mais comme plein de gens le disent, ils disent, mais non, mais je n'ai pas envie de le dire. Je n'ai pas envie de le dire. C'est déjà assez dur d'être malade. Je n'ai pas envie, en plus, qu'on pointe, ça ne se voit pas. Et donc, comme c'est silencieux, c'est incompris. Puisque les gens n'expriment pas, c'est incompris. Donc, on a voulu, avec tous ces films, essayer justement de faire exprimer la parole par tout un tas de témoignages pour que nous, qu'on puisse comprendre
ce que les gens veulent dire et pour qu'on puisse avoir justement une mobilité plus inclusive et qui s'occupe de ces fragilités-là, sachant qu'il y en a bien d'autres, parce que la question va venir. On sait bien qu'il y a les personnes aussi, les fragilités cognitives et d'autres fragilités, mais là, on avait voulu mettre un peu l'accent sur une problématique très actuelle qui est sous-estimée, qui est l'invisibilité de cette fragilité, à la fois liée à la transition démographique, à l'avancée en âge de la population, et à la fois liée au progrès de la médecine, qui font qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en situation de fragilité, et qu'on ne voit pas nos propres yeux. On ne le sait pas. Et tous les témoignages des personnes, ce ne sont, dans ces paroles de malades, ce ne sont que des personnes qu'on a prises qui ont moins de 60 ans. C'est-à-dire que ça peut être tous nos collègues. D'accord ? C'est-à-dire que là, vous avez, par exemple, les petits films qu'on aurait pu vous passer, vous voyez, c'est tous des gens qui peuvent être vos collègues. Vous ne le savez pas. Ce n'est pas ce qu'ils ont, ça ne se voit pas. Donc, ça fait aussi réfléchir par rapport à ça. Hein, c'est comme pour les fragilités cognitives, quand le DRH de Lyon m'expliquait qu'il a fallu aller jusqu'à l'entretien du licenciement pour que le salarié, qui était un mécano, reconnaisse que c'est depuis son collègue qui est parti à la retraite et qu'il aidait à remplir ses documents. Mais quand il est parti à la retraite, il a pu su remplir les documents parce qu'il était illettré. Il a fallu qu'il soit reçu par le DRH de Collision. Et là, il lui a dit, ben voilà, je ne peux pas depuis que Marcel est parti à la retraite, qui m'aidait à faire mes trucs. Parce que sinon, on n'a pas envie de le dire. Voilà, et c'est vraiment un élément très fort. Voilà. Je suis désolé, j'ai dépassé de 10 minutes le temps. Voilà. Mais on était parti un petit peu en retard aussi. Oui, je sais. Merci beaucoup. Merci à Éric Charréron pour cette présentation. Et je vais laisser maintenant la parole à Pierrick Poirier, directeur général de Keolis Bordeaux Métropole, pour le mot de la conclusion de cette session kioscopie. Oui, merci. Merci à tous. La conclusion, c'est effectivement avant tout le temps des remerciements. Remercier tous ceux qui se sont associés, qui ont participé à cet événement, qu'ils soient en présentiel ou qu'ils soient en distanciel via Teams. Vous étiez environ 130 hein, à avoir accepté de participer à cet événement. Alors, évidemment, je ne vais pas reciter tout le monde, mais vous étiez un peu plus de 25 représentant les collectivités, que ce soit le Bordeaux Métropole, que ce soit des représentants des élus des communes, mais aussi des représentants du département de la Gironde ou de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous. Vous étiez un peu plus de 30, presque 40 représentants des différents partenaires qui nous accompagnent pour la gestion de la mobilité au quotidien. Je ne citerai pas tout le monde, mais je voulais particulièrement remercier les représentants de l'agence d'urbanisme, de l'ADEME, du CHU, de Cities, qui est là avec nous aujourd'hui, d'EDF, d'Engie, d'Orange, de la FNOT. Nous avons la chance d'avoir le président qui a participé en présentiel à cet événement. De Village by CA, nos amis du PIMS de ce nom, et puis tous nos partenaires de la SNCF qui sont présents en distanciel, de Cycléo, de Kizio, de Keolis Gironde, qui ont aussi assisté, participé à cet événement. Bien sûr, nos amis de la presse, et puis tous nos collègues et amis de Keolis SA, et tous nos collègues de Keolis Bordeaux Métropole qui ont suivi cet événement. Merci à vous tous. Merci à Stéphane pour l'animation de cet événement. Merci pour nous avoir transmis le 0. Il faut vite oublier. Ce numéro s'autodétruira après la session. Nous avons eu le temps pendant l'événement de le transmettre à nos 500 000 clients, enfin qu'ils puissent continuer à poser des questions dans les jours qui viennent. Donc j'espère que la boîte SMS ne sera pas trop surchargée. Mais bon, c'est le service après-vente. Hein. Et bien sûr, merci à Eric pour la qualité et la profondeur de sa présentation. Alors, et ce pour deux raisons. La première, parce que depuis presque un an, nous exploitants, nous sommes au front. Hein, nous sommes, on va dire, stressés par la conduite des événements. Il a fallu adapter en urgence et de nombreuses fois l'offre de transport. Il a fallu mettre en place un protocole sanitaire qui a complètement bouleversé nos habitudes, modifier l'organisation du travail, l'adapter, mettre en place du chômage partiel, discuter très régulièrement, bien sûr, avec Bordeaux Métropole de tous ces ajustements, de toutes ces adaptations qui sont lourdes en réalité. Donc, quand on fait tout ça, le temps de la réflexion, il est beaucoup moins présent. Donc, avoir à nos côtés quelqu'un à qui nous amène cette qualité d'observation, cet observatoire, c'est une aide considérable pour préparer l'avenir.
D'autant, et c'est le deuxième événement, on le voit bien, que nous sommes face à des mutations qui s'accélèrent, qui en tout cas sont accentuées par cet épisode sanitaire important. Et donc, bien le comprendre, c'est bien préparer l'avenir. Et si je prends que l'exemple de la saturation, et on en a un petit peu parlé, nous avons deux axes à Bordeaux qui sont les plus saturés, celui de la ligne A du tramway, on va dire, entre Sénon-Gare et l'Hôtel de Ville, et celui de la ligne B, donc pour la desserte du campus étudiant de Pessac-Talence. Dans le premier cas, on voit bien que la promotion de la marche à pied, c'est une véritable aide pour y répondre. Descendre du tram C ou D pour aller vers Stalingrad ou vers l'Hôtel de Ville, ça se fait à pied relativement facilement. Encore faut-il en faire la promotion. On peut ajouter lutter contre la fraude, parce que sur ces petits parcours, et c'est Aurélien qui me le rappelait, sur ces petits trajets de 1, 2, 3 stations, ce n'est pas une personne sur 10 qui est en fraude, c'est plutôt 3 sur 10. Et donc, accentuer la lutte contre la fraude, bah, c'est aussi éviter ces effets d'aubaine et donner plus de place à tous les autres voyageurs. Et puis sur l'axe du campus, eh bien, c'est l'étalement de l'heure de pointe, et Eric en a parlé. On va essayer de faire en sorte que Rennes ne soit plus la seule initiative réussie des années écoulées, mais qu'on puisse à l'avenir citer Bordeaux. Voilà, donc on va maintenant évidemment préparer l'avenir. J'ajoute au fait qu'il y ait un replay, que nous allons préparer et diffuser une plaquette à tous nos partenaires, tous ceux qui ont participé, pour pouvoir s'imprégner encore davantage de son contenu et de pouvoir le partager et le diffuser. Merci à tous, merci pour votre participation et à bientôt pour Kioscopie 7.